Cette semaine aux courses débute dans 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vert, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Les Gars de course, cette semaine aux courses édition du 10 mai. Une présentation des gotdecourse.com de Lucien Chevrolet. Ici Anthony Marcotte, bien heureux de vous retrouver. Dans cette autre édition de l'émission, beaucoup de choses à se mettre sous la dent ce soir. Kevin Lusignan est en haut à gauche. En dessous de lui, Mini Beurre Kevin Hébert. Et dans le coin droit, la force tranquille, le président des gars de course, Tommy Lavallée. Salut les boys, comment ça va? Ça va, salut Tony. Salut Tony. En même temps. Bon, hey, ben des choses à vous présenter ce soir. D'abord, grosse place sera laissée aujourd'hui à des entrevues. Alex Labbé va être avec nous dans les prochaines minutes, le pilote de Victo, qui vient de connaître sa meilleure performance en carrière sur un circuit intermédiaire en série Xfinity. 9e Alex Labbé, bravo, on le félicite en fin de semaine du côté de Darlington. Il va nous parler de sa saison et de sa bonne performance à Darlington. Brett Hearn va être avec nous également tout de suite après. La légende de la terre battue, plus de 900 victoires en carrière, multiple champion de la série Gros Bloc. Alors Brett, qui est dorénavant un semi-retraité et à la tête du circuit Orange County Fair à Middletown dans l'État de New York comme promoteur. Donc c'est une vraie première année comme promoteur pour Brett Hearn cette année à Middletown. Et tout de suite après, le directeur de course des pistes sur terre battue au Québec, M. Steve Salva, sera avec nous pour nous jaser de course et de sa passion à la direction des courses. Et pour l'occasion, bon, on sera accompagné de Benoît Savoie pour l'entrevue. Ces deux-là travaillent ensemble depuis plusieurs années. Benoît comme un signaleur et Steve, bien sûr, aux commandes de tout ça, dans la tour des officiels et des annonceurs. Donc, ça promet d'être très, très intéressant. On va jaser de F1, on va parler NASCAR. Et également, en conclusion, comme d'habitude, nos résultats à travers la scène de la terre battue. Messieurs, dans le tour de table, il n'y a pas de nouvelles. Ben, la grosse nouvelle de la semaine, là, et on va commencer par ça, tiens, là, c'est vraiment le top 10 d'Alex Labbé cette semaine du côté de Darlington. Peut-être un petit mot de chacun d'entre nous à ce sujet. D'abord, Kevin Lusignan, notre expert NASCAR. Toute une performance de la part de Labbé, on le sait, il ne roule pas avec un budget qui lui permet régulièrement de rouler dans un top 10, mais c'est ce qu'il a été capable de faire en fin de semaine. Oui, mais effectivement, c'est une course que ben, on voit du côté de l'écurie Alex Labbé. On a travaillé fort pour avancer, justement. Plus que la course avançait, plus que le pilote se rapprochait à l'avant du top 10. Puis Alex, si on aurait un mot pour définir Alex Labbé, là, c'est quand même, c'est persévérant. Ce gars-là, c'est grave comment... J'aimerais ça le voir dans une équipe d'être devant, là, une très bonne équipe, parce que ce gars-là, c'est un pilote extraordinaire. Justement, on va avoir la chance d'y parler tantôt, on reviendra avec les détails. Mais tu sais, on sait que du côté de Noah Gragson, on a été disqualifié également, c'est lui qui avait remporté l'épreuve.
ont été disqualifiés. Donc, la victoire va à Justin Allgaier. Donc, on vous vient avec les autres détails tantôt, mais oui, c'était une belle course côté de la baie. Puis Darlington, c'est un circuit tellement le fun en NASCAR. Ouais. C'est deux courbes complètement différentes qui font en sorte que ça fait tout un spectacle spectaculaire. Et puis Lulu, tu disais, là, il a une tête sur ses épaules, puis c'est un gars patient, Alex Labbé. Si jamais tu vas le voir pousser, il était bon à Charlotte, ça a plu. Ben à Darlington, là, c'est une piste de patience aussi. On l'a vu autant en camionnette qu'en série cop, là, ça brasse comme circuit. Fait qu'il faut être patient, puis il faut avoir une sacrée tête sur ses épaules. Puis chapeau à Alex Labbé, il s'est démené en fin de semaine. Moi, Tommy, un aspect qu'il ne faut pas négliger dans le cas d'Alex Labbé, pour toutes sortes de raisons, j'ai trouvé que les réflecteurs étaient davantage sur Raphaël Lessard depuis 2 ans. Et malgré tout, ben, Alex Labbé roule dans la division supérieure du NASCAR, dans l'antichambre de la Coupe NASCAR, et on parle pas mal moins souvent de lui. Et pourtant, je pense qu'Alex a fait ses preuves, que ce soit en série Pinty's où il a été champion. Et à chaque fois qu'on lui donne un volant, il est capable de faire performer sa voiture. Alors, c'est triste à dire, mais le fait que Raphaël se retire cette année en camionnette, ben là, j'ai l'impression que l'attention va vraiment se tourner du côté de l'abbé. Oui, puis on l'a vu là, dès la journée suivante de sa neuvième position, pardon. On l'a vu à Salut Bonjour. Donc, on le fait de plus en plus de place dans les médias. Évidemment, on a perdu Raphaël Lessard. Raphaël Lessard, c'est parce que c'est un jeune prodige, là, très, très jeune, a monté les échelons très vite, alors qu'Alex Labbé, lui, ça a été un peu plus lent, a couru dans toutes les séries qu'on a sur l'asphalte au Québec. Et c'est par persévérance, comme Lulu disait tout à l'heure, qu'il a réussi à aller chercher son volant-là là, du côté de la Xfinity. Ça a été un peu plus long, on l'a dit, mais Alex Labbé, vraiment, là, prouve à chaque course là, qu'il fait partie de l'élite au niveau du pilotage de cette série-là. On l'a vu dans la course, là, c'est tenu dans le top 20 et dans le dernier segment, malgré un arrêt un peu plus difficile, a réussi à se pointer dans le top 10. Là. Oui, dans le cas de RDS, il semble qu'on va accorder une attention particulière aux courses de la série Xfinity dorénavant. Et je pense que c'est une très, très bonne nouvelle pour l'abbé, mais aussi tous ses commanditaires québécois. Ils sont très nombreux à s'afficher sur la voiture numéro 36 d'Alex. Donc, il va nous parler de tout ça dans les prochaines minutes. Kevin Hébert, maintenant, Grand Prix d'Espagne, toute une performance. On y reviendra tout à l'heure dans le bloc F1. Mais Lewis Hamilton et Mercedes ont sorti encore une fois un as dans leur jeu de cartes. Digne d'Hollywood, Anthony. Et ils ont surpris, comme des fêtes, ils ont encore surpris Red Bull avec Max Verstappen qui, au dépourvu, s'est fait avoir avec une stratégie plus adaptée pour Lewis Hamilton. Les deux mains liées, là, menottés à devoir rester sur la piste. On va en reparler, mais ça a été chapeau à Mercedes en fin de semaine, puis toute une lutte en mi-peloton. Il y a des écuries qui commencent à vouloir s'améliorer, à améliorer leur sort. On s'en jase tantôt. Absolument. Et puis, Tommy Lavallée, on va regarder tantôt dans le bloc des résultats. Un peu de controverse à Eldora en fin de semaine où les World of Outlaw et les USAC Sprints étaient sur le même événement, soit le Let's Race 2 de Eldora sur le circuit qui appartient à Tony Stewart. Et il y a eu une controverse samedi soir. Oui, samedi soir, il faut savoir qu'il y a plu toute la soirée. Et... c'est plutôt vendredi qu'il n'y a plus, donc oui. On n'a pas pu présenter les épreuves. En fin de soirée, on a réussi à ramener le circuit et c'est à ce moment-là là, que les USAC, eux, ont décidé d'aider justement la préparation. On fait leur temps de qualification et leur pratique. Et lorsqu'on est arrivé autour des World of Outlaw, ben, eux ont refusé d'embarquer. Donc, ça a créé un peu d'insatisfaction. On va en parler tout à l'heure là, avec celui qui a remporté la victoire de la deuxième finale, mais il a fait connaître son mécontentement là, sur les réseaux sociaux. Oui, absolument. Donc, tantôt, dans le bloc des résultats, on aura tous les détails également quant à l'épreuve de la série Super Dirt Car qui avait lieu du côté de Bridgeport. Ça remonte à mardi soir. Alors, bienvenue dans le show des God Course, un excellent menu qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est une semaine un petit peu plus tranquille dans le monde des courses, mais tranquillement, pas vite. Ben, au cours du mois de mai, il y aura des événements d'importance de plus en plus, que ce soit sur la terre battue ou sur les pistes asphaltées. Et on continue de se croiser les doigts que la situation de la COVID-19, messieurs, au Québec, puisse continuer de tourner dans le bon sens. Je pense que nos pistes du Québec se montrent très patientes actuellement en attendant les prochaines consignes. Mais d'ici là, on continue de rouler. Et à l'autodrome Green Bay, messieurs, en fin de semaine, on a vu nos premières voitures rouler. Oui, il y a eu des pratiques privées du côté de l'autodrome Green Bay. Donc,
On a pu présenter avec un maximum de voitures. Là, évidemment, la santé publique de la région là, est très, très stricte et on ne pouvait pas dépasser le nombre de voitures maximum. Ça nous a permis de voir les trois voitures de l'équipe Auclair sur le circuit. Là. Steve Turcotte, Ariane Imbeault et Sean Imbeault qui va faire ses débuts cette année. Là, le jeune frère d'Ariane, donc ça va être très intéressant. On a vu également Danny Gagné avec son modifié. Yann Bussière qui était là, encore une fois, des temps très rapides. Christopher Cordeau qui continue d'accumuler les tours. Vraiment, là, on a vu Raphaël Goujon également. Là, au risque d'en oublier, là, je vais arrêter là, mais on a vu encore plusieurs pilotes là, essayer leur voiture. Donc, évidemment, lorsqu'on arrive au printemps comme ça, là, les fourmis dans les jambes arrivent. Là, on a hâte de courir, donc on profite de toutes les occasions qu'on a d'aller en piste, là, mais avec la région qui retourne au rouge du côté de Granby, je ne crois pas qu'on puisse refaire d'autres pratiques là, avant longtemps. Oui, mais dans le cas de Granby, c'est mitigé un peu. Là. Est-ce que Granby fait partie de la Montérégie ou de l'Estrie? Là? On ne sait pas trop. Là. Bon, c'est spécial. Oui, en tout cas. souhaitons que ça tourne du bon bord. Moi, j'ai confiance quand même. Mais la Montérégie est rouge aussi, Anthony. Oui, dans un sens, c'est ça. Là. C'est à peu près les mêmes restrictions anyway. Concernant la Montérégie ou l'Estrie présentement. Autre chose, messieurs, juste avant de quitter en pause, je tiens à souligner l'arrivée d'Éric Pivin, photographe, qui se joint au gars de course. On vous a annoncé ça aujourd'hui sur notre page Facebook. Éric Pivin nous a montré son intérêt pour se joindre à l'équipe et on l'accueille avec grand plaisir. Éric est un passionné de course comme nous autres. C'est un gars qui a grandi, qui est un enfant des courses comme on l'est tous, qui a été un excellent signaleur et qui maintenant, ben, c'est découvert une passion en photo et nous réservera ses clips sur notre site web au cours des prochaines semaines, tout au cours de l'été. Donc, bienvenue, mon cher Flypy. On va toujours t'appeler Flypy, même si tu ne sens plus tes drapeaux. Mais quand même, on est bien, bien, bien content de l'avoir. L'équipe qui continue de grossir tranquillement, pas vite. Donc, il faut croire qu'on fait des bonnes choses, les gars. Ouais, mais c'est sûr. C'était un peu une surprise, Anthony, hier, là, lorsque. Justement, on a reçu là, le message d'Éric et donc, évidemment, on n'a pas pour laisser passer une occasion comme ça, mais vraiment, là, je pense qu'on devient de plus en plus complet. On va avoir une belle offre au niveau des photos avec Éric et Don Simpson, en plus que Don nous fait des textes excellents à chaque semaine. Vraiment, là, on commence à prendre notre air d'aller depuis quelques semaines et vous n'avez rien vu encore. Ouais, on a hâte d'aller dans nos studios à Saint-Hyacinthe, ça, c'est la prochaine étape. On a hâte. Ça suffit juste de faire sauter le couvre-feu, puis on va aller s'installer dans nos quartiers généraux à Saint-Hyacinthe très prochainement. Bon, on fait une pause et au retour, on s'installe dans le premier bloc d'entrevue. Kevin Lusignan sera ma compagnie, alors qu'on reçoit Alex Labbé dans cette semaine aux courses. Restez là. De sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silver Wax, Prolon Control et Choix Radio X. De retour dans cette semaine aux courses. Lulu, tu te rends compte dans l'émission actuellement à quel point se fait du bon monde dans la région de Victo. J'en suis la preuve vivante. Et en voici un autre, mon compatriote, mon confrère de Victo, Alex Labbé. Comment ça va, mon cher Alex? Hey, ça va bien, vous autres? Yes. Hey, bienvenue dans l'émission. Bien content de te recevoir, Alex. Surtout après un tel résultat. C'était 10e après l'épreuve de samedi. Mais là, finalement, c'est 9. Avec la disqualification de Noah Gregson. Donc, félicitations. Meilleur résultat pour toi en carrière sur un circuit intermédiaire de moyenne distance, comme on peut les appeler, sur Ovalde. Ça s'est très, très bien passé pour toi et toute ton équipe samedi.
Oui, vraiment, on a eu une très bonne journée. On a commencé la course, puis la voiture était vraiment compétitive. Puis on a fait des petits ajustements, on a eu des bons petits stops. Les gars n'ont pas trop fait d'erreurs. La dernière aéropuie, elle était un petit peu plus lente, mais on n'a quand même pas fait d'erreurs majeures. Fait que non, ça a été vraiment une bonne journée pour l'exécution, autant pour l'équipe que pour moi. T'sais, c'est ça que depuis le début de la saison, j'arrêtais pas de le dire. On a de la vitesse, mais on ne s'apparaît pas parce que il y avait tout le temps des bad luck qui nous arrivaient. Il y avait tout le temps quelque chose qui faisait qu'on n'avait vraiment pas le résultat escompté. Mais là, c'est vraiment le fun d'avoir une journée comme on a eu à Darlington samedi, qu'on a vraiment tout bien exécuté et que ça a payé bien fort à la fin. Tu tiens les gens toujours au courant de ce qui se passe sur les circuits par tes plateformes de réseaux sociaux que j'écoute avec grand plaisir à chaque semaine pour que tu nous résumes comment tu as vécu tes courses derrière le volant. Mais depuis le début de l'année, tu l'as dit, beaucoup de malchance et souvent de la déception dans le propos depuis le début de l'année. Regarde, on va s'en prendre. Puis là, plus ça avançait dans tes vidéos, Alex, plus je chantais que le niveau de déception montait de fil en aiguille à chaque fois. Mais là, on a fait du positif. Non, c'est sûr. On ne se le cachera pas que la déception et la frustration à l'embarquer. J'ai commencé à faire ça un peu l'année passée, mais mes vidéos, je fais des lives vraiment sur le vif, que je dis vraiment ce que je pense puis comment que je me filme. Je pense que le monde aime ça. C'est vraiment ma réaction directement après la course. C'est vraiment comment que je le pense. Ça sort. Des fois, ça sort rough, pas rough, mais ça sort comme que si je parlerais à mes chums de gars. Mais c'est vraiment ça que je veux que le monde se rende compte vraiment c'est quoi qu'on vit ici, c'est quoi qui se passe. Fait que non, c'est bien le fun de voir le support du monde. C'est bien le fun. J'ai un très bon suivi. Puis c'est le fun de revirer ça de bord un peu, comme on parlait tantôt. Ça faisait quelques courses que ça faisait un que ça s'enchaînait, puis ça s'accumulait. Puis on avait bien hâte que ça revienne d'abord, puis d'avoir un résultat qui justifiait les efforts qu'on met dans le programme de chez DGM Racing cette année. Hein. Alex, il me vient la question, dans le fond, tu fais la première année que tu es avec DGM. Comment est-ce que c'est plus difficile, exemple, cette année versus l'an passé? Parce qu'on le voyait en fin de saison l'an passé, tu avais de bons résultats, puis on disait que c'était juste plus ardu en début de saison. As-tu un changement vraiment au niveau de la voiture qui a fait en sorte que... Non, mais comme j'essaie d'expliquer, dans le fond, un petit peu à mes fans, c'est... Je pense qu'on a un meilleur programme, que ce soit les équipiers, que ce soit la voiture, le programme de moteur. On a vraiment tout upgradé notre stock. Ça paraissait pas pendant tout. On voyait qu'on a toutes les premières courses, on a toujours eu de la vitesse, mais c'est qu'on... À Las Vegas, on prend un exemple, c'est une piste intermédiaire. On était 13e, il restait 15 tours, il a sorti un jaune, puis on a été impliqué dans une grosse accident, mais on a fini 32e. T'sais. Mais on avait une bonne journée, on était performant, mais... Les résultats finaux, ils faisaient vraiment pas justice, je pense, à la performance qu'on avait pour le début de la saison. Que ce soit même la première road course à Daytona, la deuxième course de la saison, on est parti en 36e position. Ben, je pense après 7-8 tours, on était rendu 13 ou 14e. On avait une très bonne voiture. On s'est fait accrocher, puis le quarter panel a arraché. Puis, tout arrivait. La pire affaire qui aurait pu arriver, surtout sur... T'sais, normalement, qu'on aurait fait un trou dans le bumper en avant, qu'on aurait bossé à la porte, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais là, on a arraché le quarter panel, donc là, la valise se remplissait d'air, puis je perdais environ 15 000 $ dans le backstage à Daytona. Donc, c'est tout le temps des bad luck qui nous arrivaient, mais en général, je suis vraiment confiant. Ça fait longtemps que, depuis le début de la saison, je dis que notre programme est meilleur qu'il était. Mais là, je suis content qu'on est capable au moins de le prouver vraiment concrètement, comme on l'a fait en fin de semaine à Darlington. Et ce qui est positif là-dedans, Alex, c'est que tu parlais du circuit routier à Daytona. Tu as fait tes preuves sur les circuits routiers. C'est un endroit où tu es extrêmement à l'aise. Et là, on va rentrer tranquillement, pas vite, dans les épreuves de la saison en circuit routier. Là aussi, il y a une belle opportunité d'aller chercher des points importants. Ah non, c'est sûr. On s'en va à Coda, pas en fin de semaine prochaine, l'autre. Ouais. Après ça, on va à Mid-Ohio une couple de semaines plus tard. Mais c'est sûr que ça va être Coda, c'est vraiment le Circuit of the Americas où les Formule 1 courent aux États-Unis. C'est vraiment une date qu'on a encerclée dans notre calendrier depuis le début. On va avoir des essais, des qualifications pour une des rares fois cette saison aussi. Fait que, non, je pense que ça va être un circuit qui va être vraiment technique. Ça va vraiment être demandant à ces voitures aussi. Parce qu'il y a des gros, gros freinages. Puis, il y a beaucoup de variétés dans les types de virages aussi. C'est pas un circuit où tous les virages sont serrés et lents. C'est vraiment, il y a des virages extrêmement rapides, il y a des virages, des épingles, plus que des 90, plus que des 100, des genre des 100, 155 degrés. Ça va être vraiment spécial, surtout avec notre type de voiture, de compétitionner sur un circuit comme ça. Là. On voit présentement des images, Alex, à Daytona, justement. Une épreuve où il avait tombé de la pluie, pas à peu près. Tu avais fait partie de ce spectacle-là, pas à peu près. Moi, je me souviens d'avoir regardé. Là, c'était complètement débile de voir de la pluie comme ça s'abattre à Daytona.
Ouais, non, ben, la première, ça devait être à Charlotte, au Roval. Ah oui, c'est Charlotte. Le gros déluge, l'année passée. On avait fini quatrième. J'étais deuxième, je pense qu'il restait 15 tombes. Puis j'ai pogné une flaque d'eau. J'ai fait de l'aquaplanage. On a reculé dans les pneus. On avait vraiment une grosse journée cette journée-là. C'est notre meilleur résultat à vue aussi en NASCAR Xfinity avec une quatrième. Puis le premier top 5, puis le seul top 5 encore jusqu'à maintenant pour moi et DGM. Donc ça a été vraiment une grosse journée. Mais le Roval, c'est toujours un circuit spécial pour moi, pour DGM. Même l'année d'avant, on avait qualifié sixième. On avait terminé sixième dans la course. On s'était battu dans le top 5, top 8, toute la course. T'sais. On ne se cachera pas qu'avec les ressources qu'on a et les budgets qu'on a, c'est vraiment dur de faire ça. Fait que non, ça a tout le temps bien été. Fait que c'est tout. C'est vraiment une date aussi qu'on a dans notre calendrier. On sait qu'à toutes les années, quand on va sur le Roval, on a une chance de gagner. Alex, tu as eu la chance de courir justement avant la COVID, parce que tu avais des qualifications, c'est-à-dire des courses de qualification, pas des courses, mais des temps chronométrés pour les qualifications. C'est plus dur, là, j'imagine, de justement avoir une position de départ, pas de qualif, pas rien, pas de pratique non plus. Est-ce que c'est dans les plans de changer éventuellement côté NASCAR, ou pour l'instant, ça reste comme ça et ça ne changera pas? Oui, comme là, cette saison, on a huit épreuves qu'on a des pratiques avec des qualifications. Mais je sais pas, il y en a, ça dépend, on entend bien les affaires. Il y en a qui disent qu'il y en a des propriétaires d'équipe qui disent qu'ils aiment ça, puis des dirigeants chez NASCAR qui aiment ça, puis d'autres qui n'aiment pas ça. Mais c'est sûr que ça coupe les coups. Je pense que ça resserre le peloton aussi. Oui, c'est pas bon pour nous parce qu'on ne peut pas pratiquer, mais en même temps, les grosses équipes qui ont beaucoup de ressources, c'est là qu'ils s'améliorent beaucoup aussi parce qu'ils arrivent à la piste avec 4, 5, 7 de choc, tout préparé. Puis, ils ont beaucoup plus de temps que nous pour se préparer et de tester des affaires à piste. D'un côté, ça ne nous aide pas parce qu'on a de la misère à se développer, mais en même temps, ça aide des grosses équipes à se développer moins rapidement. C'est vraiment ça qui est dur, c'est de suivre leur courbe là, parce qu'on ne se cachera pas qu'ils ont beaucoup de ressources et beaucoup de main-d'œuvre pour faire ça. Tu viens de parler de ton résultat sur le Roval l'an passé, Alex, quatrième. Là, cette semaine, Darlington, neuvième. Jusqu'à quel point, dans un programme comme celui de Mario Gosselin, un résultat comme celui-là peut être déterminant pour la suite des opérations dans l'année, non seulement au niveau monétaire, mais aussi au niveau de la reconnaissance dans la recherche qui est toujours constante de nouveaux commanditaires? Ah, c'est sûr que c'est un gros plus, on ne se le cachera pas. Là. Surtout qu'on en parlait tantôt, c'est même pour moi puis pour mes fans, pour le monde qui me suit, mes commentaires, c'était vraiment fâchant la situation qu'on était dedans. Mais là, au moins, tout le monde, je pense qu'on sent vraiment que tout le monde est motivé puis qu'on est prêt à continuer. Puis ça l'aide à faire parler de moi aussi en même temps dans les médias. Ouais. Ça fait que ça va être une plus grande facilité à approcher des nouveaux partenaires. Mais c'est sûr qu'on ne se le cachera pas, qu'on n'arrête pas de travailler. C'est ça, c'est la réalité de notre part. Ça arrête pas, mais c'est sûr que ça peut juste nous aider, ça peut pas nous nuire, puis en même temps, ça bâtit beaucoup de confiance dans l'équipe. C'est sûr que je le dis souvent, mais c'est vraiment le type de circuit, les circuits intermédiaires, c'est le type de circuit qui c'est vraiment le plus dur de compétitionner avec les grosses équipes. Fait que d'aller à Darlington, comme on l'a fait la semaine passée, puis de se battre dans le top 15, top 10, toute la course, c'est huge pour nous autres. Très, très bon résultat. Et là, tu ouvres un sujet quand même qui est un petit peu épineux au Québec, Alex, parce qu'on a connu au cours des dernières semaines la situation impliquant Raphaël Lessard, une situation qui est bien triste de voir le jeune perdre son volant de la sorte, faute de financement. Dans ton cas, c'est toujours la même chose. L'an passé, on se souvient, épreuve après épreuve, on se demandait si tu serais en mesure de courir avec ta voiture. Est-ce que présentement, on est en voie d'officialiser justement le petit peu par petit peu le financement nécessaire pour faire toute la saison à Xfinity? Oui, c'est sûr que c'est notre but. T'sais. On est vraiment au point qu'on veut courir à temps plein. C'est sûr qu'on va tout faire pour se rendre jusqu'à la fin. C'est sûr qu'on a encore quelques courses de non vendues. Donc, c'est sûr qu'on travaille encore fort pour boucher les trous le plus possible parce que plus qu'on va avoir des partenaires, plus qu'on va avoir du monde qui vont nous appuyer, plus qu'on va être capable d'être compétitif. C'est vraiment ça. Tout le monde le sait, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ouais. C'est plus qu'on est capable d'avoir de l'argent, plus qu'on est capable de s'approprier des ressources et du matériel. Fait que c'est... Non, mais je pense qu'on est quand même dans une bonne situation. Présentement, je pense qu'on fait un commitment et on va courir la saison à temps plein, mais on n'arrête pas de travailler sur l'autre côté aussi pour être capable d'être le plus compétitif possible. Comme je disais dans le mot d'ouverture, c'est plate à dire, mais le marché du Québec est tellement petit qu'on a besoin de tout de petits changes, c'est le cas de le dire, pour permettre à un gars de chez nous de réaliser son rêve dans le NASCAR. Raphaël, c'est triste, là, malheureusement, pas le financement. Dans ton cas, par contre, la conséquence, c'est que tu pourrais peut-être en bénéficier davantage
que les réflecteurs se dirigent un petit peu plus sur toi et que les courses de série XVT soient diffusées à RDS, déjà là, ça serait déjà très, très important pour tes commanditaires. Oui, oui. Non, c'est sûr. Mais là, on a eu un accord avec RDS. Les deux prochaines courses, on va être à RDS, certains, puis on travaille bien fort pour qu'on aille encore plus dans le futur. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais c'est, comme tu disais, c'est tout le temps triste, les histoires comme qu'est-ce qui est arrivé à Raphaël. Mais en même temps, on a quand même deux stratégies assez différentes. Moi, on a des budgets assez similaires, mais moi, je suis une plus petite équipe et je les tire vraiment pour la saison complète, tandis que lui, au casino, il est allé plus all-in. C'est une autre manière de voir ça, puis j'ai tout le temps voulu faire ça aussi. C'est sûr que mon rêve un jour, c'est vraiment de masser d'une voiture de pointe, que ce soit en Xfinity, en Cup ou n'importe quoi, pour être capable de rivaliser à toutes les semaines pour gagner la course. Mais présentement, on n'est pas dans cette réalité-là. C'est ça, un petit peu ça qui nous permet de courir à temps plein, mais. Des fois, c'est sûr, je te le cacherai pas que moi aussi, j'ai pas des doutes, mais des fois, je me questionne là-dessus aussi. Je suis mieux de faire moins de courses puis d'être plus compétitif ou de courir à temps plein. J'ai vu que mon expérience est déjà acquise, mais non, c'est une triste réalité, mais c'est ça le merveilleux monde du sport automobile. Oui, et là aussi, tu soulèves un point intéressant parce que Raphaël, lorsqu'il nous a parlé récemment, disait « Moi, la stratégie que j'ai, je veux être compétitif. Je veux embarquer dans quelque chose, dans le bon équipement pour me permettre de gagner. » Je ne veux pas me retrouver du jour au lendemain dans une équipe qui ne me permettra pas de rouler parmi au moins les 15 premiers. Dans ton cas, ça n'a pas toujours été ça, cette stratégie, mais c'est une stratégie que tu assumes quand même très bien, de dire que on va se battre pour le meilleur résultat possible. Question d'aller chercher l'appui monétaire nécessaire pour améliorer le programme en cours de saison. Comme vous aviez réussi d'ailleurs à faire l'an passé, la location d'un moteur de plus haute performance pour vous permettre de rivaliser davantage. Non, c'est exact. C'est vraiment ça notre but. C'est sûr que on ne se le cachera pas. C'est dur. C'est une morale des fois. J'ai toujours coursé pour gagner. J'ai gagné beaucoup des championnats dans toutes les séries que j'ai fait en montant vers la NASCAR Xfinity. Mais en même temps, ça serait dur aussi de faire ce que je fais là si ça ne serait pas de Mario Augustin et DGM Racing. On ne se le cachera pas. Ils nous aident beaucoup là, avec les budgets qu'on a, là, les performances qu'on a. Je pense que c'est vraiment au-delà des attentes. Même les autres petites équipes avec qui on se bat, là, ils ont des budgets pas mal plus pas mal plus élevés que nous autres. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir au moins la chance de. C'est sûr qu'on se le cachera. On n'a pas l'équipement pour gagner, on n'a pas l'équipement pour être plus rapide toutes les semaines, mais au moins, tout le monde donne son 110% puis on essaie tout le temps d'en faire plus avec un petit peu moins, mais c'est le fun aussi de participer à la progression. Tu sais, c'est DGM Racing, quand j'ai commencé avec eux en 2018, puis où qu'on est rendu aujourd'hui, tu sais, on a vraiment évolué, puis c'est bien le fun de voir ça, mais c'est sûr que je mettrai jamais un crochet sur l'opportunité de m'asseoir d'une voiture de pointe puis d'être capable de gagner à toutes les courses. Tu sais, ma stratégie, c'est un petit peu de prendre l'expérience avec Mario et avec des petites équipes pour que le jour que j'arrive à une opportunité de m'asseoir d'une voiture pour gagner, je sois prêt, mais cachera pas que je commence à être prêt, fait que j'aimerais bien savoir mon opportunité bien vite. Alex, vas-y, Delu. Petite dernière question, dans le fond. Tu parlais justement d'équipe de pointe en tant que telle. J'imagine avec les bons résultats, comme tu dis, que tu as eu là, le quatrième du côté du Roval, ça doit commencer à cogner à la porte tranquillement. Oui, c'est sûr qu'il y a des opportunités, mais c'est ça qui est dur. Il faut vraiment être capable d'avoir un budget pour combler ça à temps plein, puis on ne se gâchera pas qu'un budget pour courir à temps plein dans NASCAR et Xfinity d'une équipe de pointe, c'est loin d'être abordable à tout le monde, mais non, c'est sûr que on parle avec plus de monde, là, j'essaie de me faire connaître, puis c'est juste ça qu'on a à faire, d'essayer de me faire remarquer en tant que underdog, comme on dirait, en tant que quelqu'un qui est capable d'en faire plus avec moi, fait que c'est tout le temps ça la mentalité, le mindset, puis on ne lâche pas, on ne baisse pas les bras. Alex, effectivement, tu as l'expression qui est très juste. On lâche pas, on t'appuie. Lâche pas dans tes aventures en NASCAR. On te surveille de près, puis c'est sûr qu'on te réinvite sur l'émission très bientôt, mon cher ami. Un gros merci. À plus tard. Salut, Alex. Bye. Merci, Alex. Salut. Alex Labbé, pilote de la voiture numéro 36 en série Xfinity pour DGM Racing de Mario Gosselin. Peut-être un court résumé en fin de semaine, parce que notre prochain invité, Brett Hearn, s'en vient. Il est déjà prêt à nous parler. Mais Lulu, en fin de semaine, dans le NASCAR à Darlington, il faut noter l'excellente performance hier de Martin Truex Jr. qui l'a facilement emporté. Malgré l'arrivée en force de Kyle Larson en fin de course, c'est Truex qui a réussi là, à conserver les commandes et remporter déjà sa troisième course de saison.
Bien, on en a parlé entre nous en discutant, Anthony. On le voyait, Larson se rapprochait. Mais Truex, de son côté, a continué à garder l'avance et étirait. Et justement, a réussi à aller chercher les honneurs. Mais je pense qu'il en manquait pas gros du côté de Carl Larson. Mais on voit vraiment que la stratégie des pneus a vraiment changé en tant que tel. Larson, à un moment donné, a voulu ralentir un petit peu, économiser des pneus, essayer de donner la tentative vers la fin de l'épreuve. Mais on en a manqué du côté de Larson. Et que dire également ensuite, ben on dit à Noah Gragson disqualifié du côté de la Xfinity, victoire à Allgaier, Alex qui termine 9e. Et il y avait aussi la course de camionnette de Stuart Friesen qui a été à l'avant-plan de l'épreuve tout au long de l'épreuve, de 2e position, 3e position. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben vers la fin de la course, gros accident sur la rue de relance. Et Friesen qui a pas mâché ses mots à l'endroit de Sheldon Creed. En expliquant que ça avait pas de sens d'avoir des départs de la sorte, que les gars se bousculent autant. Et on le voit, la camionnette de Friesen qui a été officiellement quasiment pas détruite là, mais l'arrière là aplatie à un niveau impensable. Donc résultat plate du côté de Friesen, parce que la course se passait super bien jusqu'à la veille. Donc termine 25e. Et on regardait également ce qui se passait avec la camionnette 24 de Raphaël Lessard, l'ancienne camionnette de Raphaël Lessard, où Ryan Reed est terminé au 12e rang de son côté. Donc, à voir pour la prochaine épreuve la semaine prochaine, mais ça reste que Darlington, toujours un plaisir à regarder. Ouais, comme course. C'est une belle course. C'est toujours le fun, là, les week-ends sur le mythique circuit de la Caroline du Sud. Friesen qui a une bonne saison quand même, nettement meilleure au niveau des résultats qu'on ce qu'on avait l'an passé. Donc, je maintiens parmi les 10 premiers au championnat, mais il lui manque la clé, une victoire qui pourrait lui assurer une place dans la chase de fin de saison. Mais notez bien la visite à Knoxville sur la terre battue d'ici la fin de l'année au mois d'août. Ça pourrait être vraiment déterminant pour Friesen. Ben, tu l'as si bien dit, ce que j'allais dire. Knoxville va être la piste. Je pense que c'est la piste qu'on vise du côté de Friesen. Ouais. Mais on n'est pas loin. Je ne serais pas surpris de le voir à une victoire sur l'asphalte d'ici là, avant ça, Anthony. Oui, il est assez solide quand même, toujours parmi les meilleurs. Lulu, je te laisse filer. On doit faire une pause et au retour, le semi-retraité, la légende, le nouveau promoteur du Orange County Fair à Middletown, New York, Brett the Jet Earn, qui va être avec nous au retour. Restez là. Développement, une entreprise 100% québécoise contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Vestidrag Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silver Wax, Rousseau Metal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Vestidrag.tv, Hypertech, Trois-Radio X et 91.9 Sport. De retour à cette semaine aux courses, il revendique plus de 900 victoires en carrière au volant d'une voiture modifiée. Désormais semi-retraité de la course, mais maintenant promoteur du Orange County Fair Speedway à Middletown, New York, j'ai nommé Brett the Jet Earn qui est avec nous ce soir. Brett, welcome on our show. What a privilege. Well, this is pretty cool. I never done a podcast to a different country. That's right. That's new.
Yeah, it's new for you, and it's new for us as well. We've been working on it for a couple of months now, but it's really looking good. So we've been able to have a couple of great speakers on our show, and you're next. And thank you very much for being with us. Lots of things to talk to you about your new endeavors as a racing promoter. You've been a race promoter for a single event each and every year in Malta, New York. But now it's a full-time job for you in Orange County Fair Speedway. Well, you know, it is. And again, I got really lucky that I timed my semi-retirement the way I did, because, of course, last year would have been a tough year to make a living racing. And most of the guys that were, you know, trying to do that, had to travel and chase races. They couldn't make a plan. Every week was different. Sometimes you could run, sometimes you couldn't, and you would chase it around all year. So it wasn't the kind of year that we wanted to start out with in Orange County. We had a lot of momentum going into March of 20, and everything just went bad. And now we're slowly recovering. It seems to me like down here, it's a little bit more open than you guys are. And the COVID numbers are dropping dramatically now. So I expect by the time we get to summer to be at full force. How lucky are you? How lucky are you? We're still under a curfew right now, so we can't meet each other. It's been such a tough year for drivers, for promoters, and you've been stuck between both of it last year as a race promoter and as a driver as well. So you're now openly talking about yourself as a semi-retirement driver. So it's gonna be only on a part-time basis that we're gonna see you behind the wheel. Yeah, it's strictly a part-time basis. The problem that I have, just like I've always had, is that if I put my mind and wrap my mind too much around the racing and driving, it'll definitely deter me from doing a good job at the Speedway. So I have no other way of doing business than to go into it with two feet. So I have to do it on a very limited basis so that I don't fall into that trap. Lots of things. I'm going to translate for our French listeners, if you don't mind. Sure. Brett, qui est dorénavant promoteur à temps plein de la piste d'Orange County Fair dans l'État de New York à Middletown. Une année très difficile au niveau de la COVID. Nous disait que de toute façon, ça aurait été très difficile pour lui d'être un pilote à temps plein, à courir d'un bord et de l'autre sur les quelques pistes qui étaient ouvertes ou les quelques événements payants qu'il y avait au cours de l'année. Ça aurait été une année très difficile, mais maintenant, très optimiste pour la suite. Déjà, des programmes de course ont été présentés à Middletown et à capacité réduite, mais comme les cas de COVID dans l'État de New York descendent dramatiquement, ben s'attend à ce que quelque part cet été, ce soit à capacité complète pour les événements de course du côté de la piste. Il nous dit que maintenant, ben ça aurait été difficile de penser à une carrière de coureur toujours très active à toutes les semaines tout en se consacrant à un travail de promoteur. Brett, you're now a full-time promoter. Would you ever thought somewhere down the line during your racing career to eventually become a race promoter? Well, I said many, many years ago that if the opportunity was ever correct for me, that I would be interested in that part of the business. I studied it for many years to understand not only the racing side of it, but also to understand the promoter side and the track preparation side. And I had a, you know, by doing the big show for 12 years, I had an understanding of how it was, how what it took to do one big race a year, which, believe me, was a lot easier than doing a weekly track. But so I think I had the correct background, and I understand both sides of the business probably as good, if not better, than most promoters do, having raced for 45, 50 years. So, I think that I'm the right person, but we've got challenges. I mean, we've got big challenges, and obviously, Middletown's always been known for a fantastic car count. We've got a really racy track this year. We've got the dust under control. The track is smooth. It's fast, and now we have to, convince people. And maybe it'll take time, but right now there's some apprehension as to whether or not it's safe to be in groups of people. Yeah. And
You know, luckily for us, we have a big drive-in section on the backstretch. We've got 6,000 plus grandstand. So even at, 20, 30, 40, 50% capacity, we have a lot of room for people. Brett qui nous parle de ses nouveaux projets comme promoteur, a toujours eu le sens de développer des événements de course. Depuis 12 ans, il était promoteur d'un événement sur la piste d'Albany-Saratoga à Malta, New York, un événement qu'il connaissait à chaque année beaucoup de succès. Et maintenant, du côté d'Orange County, ben là, le gros problème derrière tout ça, c'est lorsqu'on pourra ramener beaucoup de gens. Est-ce que les gens seront favorables à l'idée de s'entasser dans des gradins? Il dit que la grosseur du site nous aidera certainement à en entrer plusieurs et les gens seront en distanciation sociale amplement. On parle d'une capacité de plus de 6000 spectateurs avec une section où, avec notre voiture, on peut aller se stationner, ce qu'on appelle un « drive-in section ». On est dans la voiture et on regarde les courses juste devant nous. You've been a promoter in Malta for 12 years, like you said, and I've been able to attend one of those events in Malta. It was a great experience, but I think that a couple of your ideas, you took them from our events in Quebec. Am I right about that? You're absolutely right. And I'll be the first to admit it, because you guys, both Granby and Drummondville, do a fantastic job. And it should be a big form of flattery for you guys to realize that of all the tracks that I go to in the course of the year, that I would draw some ideas from what you guys do, because you do a great job. Brett qui nous mentionne que son big show à Malta, beaucoup d'idées viennent de ce qu'on fait au Québec. Adore l'expérience à chaque fois qu'il est venu chez nous, parce qu'on fait un très, très bon travail au niveau du divertissement, d'en rajouter un petit peu plus pour le client, comme on le fait depuis déjà plusieurs années. You're opening the door, Brett, about your experience in Quebec, where you have... you had a lot of success. I don't want to talk to you in the past, but because I expect to see you once again on our tracks eventually, but this is a place that you've had tremendous success throughout the years, a place where you made some great friends. What was the main recipe of success for Brett Hearn on our tracks? I don't know if there was any one thing, but I started to go there in the early 80s, and I don't think I ever missed a year. When the Super Dirt Series began to go to Quebec for the, one, two, or three races, I started to do that. It was always a trip that I looked forward to, and it was always a big deal for you guys, for us to be there, and it was a big deal for us to come there and be in front of the big crowds that you get there. So it was just a good formula, and my success was just. I can't really say it was any one thing. I mean, I went there every year not knowing what to expect, but I got some success early on, and I was able to carry that through decades. Would you talk about those friends that you've made through the years? I know that Martin Roy Jr. have been with you for almost 30 years now. Mario Quirion has been with you for a while too. We're showing pictures right now about these friends that you've made through the years. Right. So, we all met in different ways. Obviously, Martin was a driver. And one day I was asked if I would be interested to have Martin come to the United States and help me for a season. He was ready to retire from driving, and he wanted to come and learn English. What I didn't know was that he didn't know any English at all. When he came to my shop the first day, he almost spoke no English at all. So through the next two or three years, he helped me on my race car, and we helped him learn English. And that was a big trade. Never thinking the day that I was asked if I would be interested in having him come with me, that we would end up being lifelong friends. And we are to this day. And we really missed not being able to see you guys up there. Yeah. And I'm sure they really missed not coming to the States. Hopefully that'll change really soon and we can get back together. Yeah, we're crossing fingers. Lots of interesting things that you said. Je parle de sa relation avec le Québec, de ses résultats qui ont toujours été très intéressants sur nos circuits, où il a toujours connu du succès. Il dit c'était tout simplement une bonne formule. On arrivait là-bas, on s'est fait des amis à travers le temps. C'est un endroit où je me suis toujours senti à ma place, à la maison, très confortable. Et
pour peu importe la raison, je connaissais du succès sur le circuit. Je lui ai parlé de ses amis du Québec, en particulier Martin Roy Junior et Mario Quirion, qui ont été à ses côtés depuis tellement longtemps. Et Brett nous rappelle comment ça avait commencé, cette relation-là avec Martin, qui avait ouvert la porte justement à aller travailler aux États-Unis à ses côtés. Mais ce que Brett ne savait pas, c'est que Martin ne parlait pas un mot d'anglais. Mais finalement, jamais n'aurait-il pensé qu'ils deviendraient des amis pour la vie. Et encore aujourd'hui, souhaite les revoir le plus rapidement possible, que ce soit de notre côté ou de leur côté, évidemment. We're showing a picture where I'm with my dad in Charlotte with you a couple of years ago, where we broached the subject for a last run for you in Quebec. You remember it, right? When mm-hmm. I talked to you about the fact that we would like to have you back just for one last 10 in Granby, Drummondville, where you've had a lot of success throughout the years. I know there's a pandemic, but eventually the big blocks will come back in Quebec. And I personally want to see Brett Hearn once again on our tracks. Well, that's true. We had a plan in place for 2020. The two races were on my schedule early on. And I have a car in the shop. I plan to go to do a couple more races this year, probably Super Dirt Week. And as long as I feel like I could be fairly competitive, maybe 2022. Oh, you're opening the door. So that's a good thing. It's a really, really good thing. Talking about big events, you're keeping your car ready to race. How was your experience in Bristol? I mean, this is a dream come true for every driver, especially on dirt, to have the chance to maybe tip your toe in Bristol on dirt. This is something that maybe you haven't even thought about doing it somewhere down the line, but you were able to. What was your experience about it? Incredibly fast, incredibly humongous stadium with a racetrack in the center. Amazing, just an amazing, amazing place. And the sensation of speed there was probably surpassed any speed that you'll ever feel, even at Syracuse. We literally were running around there without lifting the throttle on a big block, and that's pretty incredible. It was so damn fast. Good show for everybody watching. There were some fans in the stands, but most of us were watching on the internet. So, and I think that you guys are going back there next year. So maybe the show will be even better next time. Maybe. It's an incredibly fast place. And even when it slicks off, it's very hard to get a run on guys. So time trials are very, very important. But, I thought it went really well. And it was, and everyone ran, well and safe, and no one got their stuff tore up. So, it was pretty interesting. Je parlais de Brett et de son expérience à Bristol sur la terre battue pour la première fois. Les modifiés se sont rendus du côté de Bristol pour rouler sur la terre, a apprécié l'expérience et souhaite y retourner la saison prochaine. We're showing a picture, Brett, about your 900 career wins. I think the number is now 917 or so, around 915, 917. There was some thought about maybe trying to go to 1,000. Is it still something behind your mind? Or, I mean, it's always tough to win on a regular basis, so it would take you a couple of more years. Well, I mean, unless I was winning 20 races a year, it would probably take me till I was 100. So it's not really too, at this point, really not really too realistic. But I would like to, I'm 919 right now. I would like, okay. It would be pretty cool to get to 920. So we'll see. Aussi. 900 victoires et plus pour Brett Hearn. Je lui demandais à quel point le chiffre 1000 lui traverse l'esprit. Il dit, si je ne gagne pas au moins 20 victoires par année, j'en ai jusqu'à 100 ans avant de me rendre jusqu'à 1000. Donc, c'est un chiffre qu'on met certainement de côté pour l'instant. So you're approaching retirement now. You're not the only one. And I think right now in 2021, we're looking at maybe the passing of the torch right now for a couple of older drivers who are now approaching retirement. This is the case for you, for Danny Johnson, for Alan Johnson as well, Jimmy Horton, who they all have been great rivals for you on the track throughout the years. But do you think the future of the sport in is
is in great hands with the young drivers that are coming through. Well, it's very interesting that you say that, because we just had over the weekend at Orange County, we just had two 14-year-old drivers win. Wow. And we had a 12-year-old driver won Eastern States Sportsman Race last year. So it depends. If these obviously are very talented drivers, if they have the wits about them and they can find the means to continue with their careers, I'm sure they'll be very, very successful. So just when you think there's no young drivers coming up, all of a sudden these start to pop up, and who knows where it will go. I mean, it's definitely something that, racing is definitely something that at that age, you either decide that you are going to, go after it 100%, or if you're not willing to make that commitment, you do something else. But that remains to be seen, because there's definitely some very young, talented drivers out there. And I think there's a lot of owners as well that are looking for drivers and don't feel that anyone is good enough to drive their cars. So those guys are sitting on the sideline waiting and looking for drivers. In the meantime, you have that group that you just mentioned. All of us have raced our entire lives. We're all headed into our 60s now. And how much is really left? At some point, we will all have to go to the sidelines. And so the other doors will open for these drivers. Was it tough the last couple of years for you, Brett, who you've always been used to win on a regular basis? Almost each and every weekend, you were able to add at least one win to your record book. But the last couple of years, it's been a struggle winning on a regular basis. But it's only normal. I mean, we weren't getting any younger. We're getting up in age each and every year, so it's pretty normal. Like in every sport, to don't get the results that we want. But for you, how did you handle all of this? Well, I mean, there was a time when we were winning, 40% of our races, 40% of the overall races. But a bad night for us would be a fifth or a sixth, not a 12th or a 15th. And, the consistency began to go away a little bit, where we still had 10 or 12 wins a year, but we didn't have that consistency, And when the revolution to the coil spring car began in 2018, we didn't adapt to that as quickly as we needed to. And so that set us back a little bit, but that's life. That's the way things happen. While I was doing it full time, I didn't want to be in the game to participate. I wanted to be in the game to win. Yeah. And, now it's a little different. I understand that not being into this with two legs in, it's going to be difficult. Not being in the car on a weekly basis, it's going to be much more difficult. So my expectations have backed up a little bit from where I was. And but that's just a natural progression. Beaucoup de choses intéressantes dans le propos de Brett lorsque je lui demande s'il a trouvé difficile au cours des dernières années d'avoir moins de résultats. Lorsqu'on est habitué de gagner 40% de nos courses, ou à peu près, comme il nous l'a dit, de se retrouver à avoir moins de résultats qu'une mauvaise soirée à une certaine époque, c'est une 5e ou une 6e, mais dorénavant, c'était des 15e à 20e positions. Ça, c'était plus difficile à accepter. Et le plus dur pour lui actuellement, c'est de se dire, ben là, je fais moins de courses, d'aller moins derrière le volant, mais que ça fait partie de la vie. Et là, ben la vie progresse d'une autre manière pour lui à titre de promoteur. Do you see yourself, Brett, still involved in racing for many years, or you're just going to step away sometimes down the road and just watch racing from the stands maybe? I don't really know if I would be a great spectator at the events. I've watched a lot of video. I'm interested in seeing, how successful each track is, gauging different things in the business. I don't really know. I don't really have a vision for where I would be, say 8 years from now, at all. I really don't. But
in the meantime, I still want to be, I want to drive fairly successfully, and I want to run the track fairly successfully, and enjoy this opportunity and this challenge. Just to end the interview, Brett, I want to talk to you about your greatest rivalries in your career. There has been a lot of rivalries through these 40 years behind the wheel. Who would be the greatest rival that you've had? We talked about Danny Johnson. We talked about Jimmy Horton. There's many of them throughout the years, but which one of them would be the toughest guy to beat on the track? Well, you know, one thing that Martin Roy always said to me, he said, you know, every year there's someone else that steps up as your rival, or yeah, maybe for two years or 3 years in a row. Everyone, he said, but it's always you and someone else. And that someone else is always changing. So when, you know, in the 80s, I had a big rivalry with Carl Collis. And then, you know, right around the late 80s, it was Bob McCready. Then it was Doug Hoffman. Then it was Danny Johnson. And then, you know, at one time Horton and I went after each other in the mid 80s. There was always another guy and myself. It seemed like that's the way that it always went. And, you know, probably the most famous people talk about it, you know, 25 years later are the battles that Danny and I had after he took over my ride at Middletown. I built my own team back up. Well, we went at each other, you know, both a small block feature and a big block feature on a weekly basis. And it was winner take all, no holds barred. I mean, we just went at each other hard, and it was real. It was very real. And what would be the relationship that you had, that you are having now with these drivers who've been rivals? But I mean, you've all drivers, so I must assume that there's respect behind all of this. Well, I mean, I think, yeah, there's respect. There's definitely respect. And you know, I don't have my game face on like I used to every day. So it's different. I'm in a different position now. I don't necessarily, I don't view anybody as my rival. I'm just, I treat it a little bit different. I approach it differently. And those were pretty intense times. They were good times, and they were very motivational, but you know, no regrets. One of our listeners, Daniel Robitaille, I think is the greatest Brett Hearn fan in Quebec right now, just told us that you've won races for 20 different owners during your career. This is quite an accomplishment. I mean, making people, at least 20 people happy during a career, this is something. Well, I, you know, that's a pretty good number considering that I haven't really driven for a lot of different owners at all. I mean, probably in the last 25 years, I've only driven for maybe four or five, six different owners. So yeah, that's a good stat. Daniel, thank you very much. And he is my number one fan of Quebec. Yeah. Always has been. And there's been really nice cars throughout the years. We're showing a lot of them during the interview. The six car, I remember the Auto Palace number 72, the Budweiser number 3. I like your 20 for sure. The recent 20, Madsen overhead doors. But can you pick a favorite maybe? So, you know, there's some iconic periods of time. So, you know, we had the Pepsi car that we won Syracuse with in 85. And then the Freightliner cars were pretty iconic. And then the Auto Palace cars were iconic. And then, of course, a lot of people's favorite are the Budweiser cars. Those are the cars that a lot of people remember. And then we sort of finished up with this black and yellow brand that we've had since 2010. And so now everyone remembers me as the black and yellow number 20 in the Madsen overhead doors. And even though I've been with Madsen for pretty much for 25 years, they've been with me on some level. We had the Briosky small blocks for a while. So there's been a lot of great, great cars. So I think probably if people talk about their favorite car, it's usually the Budweiser. Yeah, and I think I would choose the Auto Palace, the 72. I think it's the first car that I can remember. I'm 30 years old now, and I think it's the first car, the 72. Right. Yep. Pretty much it. Brett, thank you very much for your time. It's been such a pleasure.
And hopefully we'll get to meet you face-to-face next time for another interview for our show. What a privilege, really. I appreciate it. Thank you very much, and see you later. Anytime. I want to thank all the people in Quebec for all their support over the years, and maybe I'll see you one more time. And all my friends, Mario, Martin, Diane, everyone. See you guys soon. All right. Thank you very much. And I can tell you something. Brace yourself, because the next time we see you with your car in Quebec, it's going to be a memorable night. Okay. See you, Brett. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Brett Hearn. Quel moment quand même. Personnellement, de recevoir Brett sur le show des gars de course, c'est quelque chose. Quelle légende, vraiment. Il y en aura d'autres, ça, c'est sûr et certain. Parlant de légende, ben lui, il est en train de créer sa propre légende. Dans la famille Salva, c'est la direction de course qui occupe toute la place. De Gaston à Steve, on reçoit le fils aujourd'hui. Steve Salva, retour avec nous. À tout de suite. L'Autodrome Grand Bay, c'est la place pour vous divertir les vendredis soirs. De la vitesse et de l'action, mur à mur pour les amateurs de sensations fortes. En plus, c'est gratuit pour les 17 ans et moins. Parfait pour une belle sortie en famille. L'Autodrome Grand Bay, c'est la piste sur terre battue la plus rapide du Canada. Venez vivre l'expérience sur place et vous pouvez même prendre le volant comme les pros. Contactez l'équipe de Driver Academy pour plus de détails. On est de retour dans 7 semaines aux courses. Merci de votre fidélité, de très, très bons chiffres encore ce soir en direct. On est très, très heureux d'être avec vous. Et d'ailleurs, ben là, je tiens à l'impliquer dans l'entrevue parce que ces deux personnes se connaissent très, très bien, travaillent ensemble depuis plusieurs années. C'est un de nos gars de course, Benoît Savoie. Salut, mon Ben, comment ça va? Salut, Anthony, ça va très bien. Bienvenue sur l'émission, puis on souhaite aussi la bienvenue à notre directeur de course, M. Steve Salva. Salut, Steve, comment ça va? Très bien, les gars. Salut. Merci d'accepter notre invitation. Bien des choses à te jaser, Steve, parce que c'est bien beau, là, faire la police. Là, je sais que tu n'aimes pas cette expression-là, là, mais c'est un peu ça pareil. C'est l'arbitre des courses, la direction de course. Mais tu es d'abord et avant tout un très grand passionné de course, tout court. Et ça, les gens ont peut-être tendance à l'oublier un petit peu. Es-tu d'accord avec ça? Entièrement d'accord, parce qu'en fait, vous le savez, dans ma famille, avec mon père, j'ai commencé mes premiers, en fait, 5 ans là, aux alentours là, à faire le tour du Québec. Et puis, ça n'a jamais cessé comme tel. Donc, j'ai grandi dans les courses. C'était ma vie à moi. Hein, y a des gens qui vont être autour des rodéos et ils vont grandir là-dedans. Moi, c'était la course automobile. Donc, j'ai grandi là-dedans. Puis, c'est devenu mon environnement dans lequel j'ai grandi. Puis, que je suis toujours aujourd'hui. Puis, je ne me vois pas quitter... pour le restant de mes jours. On a grandi là-dedans, puis c'est ma vie. C'est ma vie dans laquelle j'ai été impliqué, puis je me vois continuer pour le restant de ma vie. C'est vrai, ça, Steve, hein, que la pomme, elle tombe jamais bien ben loin de l'arbre. T'sais, moi, j'ai hérité de la passion de mon père. C'est un peu la même chose dans ton cas? Oui, tout à fait. Dans certains cas, disons que tout dépend. J'ai ma propre personnalité. Je développe mes... T'sais, dans la vie, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Des fois, il y a des pommes vertes, des pommes rouges selon la nature. Je ne suis pas un expert dans les pommiers, mais je te dis que moi, effectivement, je me vois faire des choses aujourd'hui que je voyais mon père faire lorsque j'étais jeune. J'ai impliqué mon épouse, mes enfants également. Et j'ai transmis, je crois, à un certain niveau, un peu comme mon père m'a déjà dit, ce que j'aimais à mon épouse. Mon épouse connaissait absolument pas le milieu des courses automobiles. C'était mon père qui était dans les courses automobiles. Ma mère, par la bande, a aimé toute la famille de la course automobile, comment ça se développait. Mais je poursuis un peu dans la même veine que mon père a fait, effectivement. Messieurs, vous travaillez ensemble depuis longtemps.
Jusqu'où remonte votre relation là, d'officiel ensemble, finalement, Ben et Steve? Ben, la première fois, Ben, je pense que tu étais sur le backstretch quand j'étais en 2003 comme directeur de course. Oui, effectivement. Effectivement, ouais. Puis c'est la première fois qu'on s'est connus comme tel. Par la suite, ça s'est remonté quand je suis revenu à Granby. Je ne pense pas quand les deux. Oui, ben, c'est revenu 2013 RPM, puis l'année d'ensuite, 2014 à l'Autodrome Granby. Quand que Yann et Dominique avaient un partenariat au RPM, j'ai commencé au RPM une première année. Puis par la suite, je suis devenu à l'Autodrome Granby. C'est là qu'on a grandi. Puis Ben, on a une passion maintenant là, pour le téléguidé. On... Ça, c'est la deuxième portion d'entrevue, messieurs. Devant, c'est pas le calepin de notes. On a des atomes crochus, là, disons. Ben, oui, oui. Et puis, ben, faut dire que lorsque Steve a eu le poste à l'Autodrome Granby, c'est lui-même, Steve, qui m'a appelé en me disant « Écoute, je vais travailler à l'Autodrome Granby. Je veux t'avoir comme signaleur. C'est toi que je veux avoir dans le poste. J'aime cette dynamique. J'aime la façon qu'on travaille ensemble. » Donc, pour moi, l'Autodrome Granby, c'était le top, le Saint Graal de la course. Tu sais, je pensais jamais me rendre là de mes débuts. Là. Donc, ça a été vraiment un immense honneur là, d'être appelé par Steve là, pour aller joindre son équipe. Là. Moi, si je peux me permettre une petite anecdote concernant ma relation avec le directeur de course. Tu te souviens quand ça a commencé, Steve, il y a presque une quinzaine d'années déjà. C'est incroyable comment le temps passe vite. J'aimerais ça prendre la décrire parce qu'en fait, moi, j'aurais peut-être des détails que tu partagerais peut-être pas. Ah, OK, OK. Hein? Okay. Parce qu'en fait, au début, là, moi, Anthony, là, je voulais, tu sais, je connaissais pas beaucoup le jeune, puis je savais qu'il avait une bonne voix. Donc, on avait un micro dans les puis à ce temps-là, on appelait les équipes de course. Puis, par la suite, on a commencé à vouloir un petit peu laisser ça, là, de prendre les équipes par la main. Puis, j'avais offert à Anthony, là, si tu veux, t'occuper des balances, puis que t'occuper, de ce côté-là, les équipes de course. Puis, Anthony avait été très clair avec moi. Ah, moi, si tu veux prendre des décisions, là, puis commencer à trancher, puis dire aux équipes, ça marche ou ça marche pas, t'es pénalisé ou tu l'es pas aux balances, c'est pas pour moi. Moi, c'est vraiment parler au micro et tout ça, puis par la suite, mais. Anthony a bifurqué vers le haut de la strade. Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Moi, il y avait un plan très précis en tête. Je me souviens très bien la fois quand tu m'avais appelé. J'aurais besoin de toi dans les puits, appeler les pilotes à la fausse grille et tout ça. Puis, ça te permettrait d'apprendre davantage comment ça fonctionne, les courses automobiles. Ça a été une année très formatrice pour moi parce que je suis vraiment tombé en amour avec les courses cette année-là, comme annonceur depuis. Et quand je suis arrivé par la suite, après cette année-là où ça avait... brassé pas à peu près dans les puits. D'ailleurs, là, beaucoup de rivalités en 2007. Je peux vous dire une chose, ça n'a pas été la plus belle année de course 2007, mais j'étais là au plus fort de la vague comme officiel. Mais moi, après ça, c'était en haut que je voulais travailler. Puis c'est comme ça que à un moment donné, tu m'as appelé, je me souviens très bien, j'étais à la maison, ouais, Steve, mais non, je ne retournerai pas comme officiel. Et c'est comme ça que ça a décollé. Mais bon, le but, c'est pas faire une entrevue sur moi, c'est avec toi, mon cher Steve, et avec Ben, parce que je ne sais pas si on est prédestiné un jour à diriger le trafic aux courses, mais une chose est sûre, et Ben, tu as déjà eu l'occasion de remplacer Steve à quelques reprises comme directeur de course, et tu es à même de constater à quel point. C'est un métier qui n'est pas toujours facile de devoir trancher et certainement pas se faire des amis tout le temps. Ben oui, vraiment, c'est une grosse pointure à chausser là, pour le métier de directeur de course parce que contrairement, je vais faire le parallèle avec le hockey, tu as deux équipes à gérer, tu as de la gauche et de la droite. Tandis que sur une piste de course, tu as 20, 25, 30 équipes à gérer sur la piste, plus les autres 30-40 qui sont dans les puits. Donc, chaque équipe a des demandes, chaque équipe a des petits points à apporter, quelque chose qui ne marche pas, ici et là. Il faut tout gérer, en plus de gérer ce qui se passe. L'alignement est-tu bon? Est-ce que les positions sont bonnes? Est-ce que c'est vraiment toute une mécanique à gérer, mais il faut dire qu'on est très, très, très chanceux. On a des officiels exceptionnels aux trois pistes qu'on a. Là. J'étais vraiment impressionné. Moi, lorsque j'ai remplacé Steve là, pour la première fois, Autodrome Granby, j'ai été impressionné de... On est en haut, j'étais en haut avec les marqueurs Chantal, Navajosé, Maxime qui s'occupait de l'OMB.
aussitôt que la course se terminait ou qu'il y avait un jaune, clouc, les feuilles se passaient, tout se plaçait. OK, le leader est là, le lapcœur est là, le lucky dog est là, toc, toc, toc. Là, je voyais les feuilles passer. Je dis, oh, c'est tout un tourbillon, mais tout le monde est tellement drillé, tout le monde est tellement habitué de faire sa job que ça rend la chose plus facile. Là. Steve, ça, c'est il y a beaucoup de Steve en arrière de ça. Tu tiens à ce que les choses soient bien préparées, bien travaillé, et tu travailles aussi avec des gens de confiance depuis plusieurs années aussi dans la tour. Oui, c'est important parce que les équipes de course ils travaillent tout l'hiver sur leur voiture pour la plupart d'entre eux. Ils arrivent au programme de course puis ils s'attendent à ce que l'environnement, l'encadrement soit professionnel. On ne peut pas arriver là simplement puis improviser sur le début de la soirée. Il faut vraiment se préparer à l'avance. Autant les équipes de course vont travailler sur leur voiture, nous, on va travailler sur nos procédures de classement. Les procédures durant les événements et tout ça. Donc, il faut arriver préparé. J'ai avec Benoît, avec toute mon équipe d'officiels, on a établi une façon de travailler qui fonctionne bien. Quand on faisait des petits accros là, dans la procédure de la soirée, on apporte les correctifs. Puis, au fil des années, je pense qu'on a atteint un niveau d'efficacité qui est respectable. Puis, on est capable d'avoir une stabilité. Il n'y a pas beaucoup de changements aux autodromes et tout ça. Puis, c'est important pour être capable de progresser de programme en programme. Je me souviens un commentaire d'une personne, d'une équipe de course qui était venue voir au RPM. On avait eu un problème vraiment important de scorage avec l'ordinateur, avec la ligne, la loupe qui est dans la piste et tout ça. Puis cette personne-là m'avait dit, « Hey, nous, on travaille assez fort sur nos voitures. C'est votre responsabilité de s'assurer que ça marche, vos affaires. » C'était vrai. J'étais entièrement d'accord avec cette personne-là. Puis c'est de notre responsabilité, lorsque l'événement commence, d'offrir cet encadrement-là que eux peuvent se mettre en valeur. C'est jamais l'officiel qui va être à l'avant-plan, c'est les équipes de course, c'est le spectacle offert aux spectateurs. Donc, notre part à nous, c'est de s'assurer que c'est efficace et que ça fonctionne rondement durant la soirée. Oui, puis aussi le fait que tout soit vraiment, l'éthique de travail de Steve est vraiment professionnelle, tout est structuré, tout est placé. À chaque semaine, on reçoit le line-up de la soirée. Pour les officiels, s'il y a des événements spéciaux, on reçoit un peu un résumé de qu'est-ce que Steve va avoir, telle chose, il va se passer, il va avoir tel officiel à telle place. Puis ça fait que ça rend les choses faciles. Puis le fait que, justement, tout est toujours structuré de la même façon, ça fait que maintenant, on n'a plus besoin de se parler. On sait quoi faire. T'sais. Ceux qui vont nous écouter sur les radios les soirs de course, ils vont se rendre compte que moi et Steve, on se parle, mais c'est vraiment occasionnel parce que je sais ce que Steve attend de moi, puis Steve, il sait ce qu'il attend de moi. Fait que ça se fait, c'est rendu un automatisme. Il y a eu des années, Steve, où ben, pendant longtemps, tu as été à Drummondville, mais tu n'étais pas du côté de Granby, ni du côté du RPM. Dorénavant, c'est Steve Salva, le directeur de course, sur les trois circuits. Personnellement, je trouve que c'est la meilleure chose qu'on peut savoir parce que l'interprétation des règlements puis l'interprétation des manœuvres en piste, ben, c'est les mêmes yeux sur les trois circuits. Mais comment toi, tu composais avec ça, cette situation-là, de dire « Ah, ben un tel, il prend pas la même décision que toi quand ça se passe à Granby, puis quand on est à Drummondville, c'est différent dans l'interprétation de ce qui se passe. » Ben, ça peut être difficile, c'est vrai que le livre de règlement est le même pour tous, mais on est tous d'accord pour dire que l'interprétation a quand même chaque individu va l'interpréter de façon différente. Je me souviens de commentaires, je crois que c'est Claude Brouillard qui avait dit qu'il voyait ça positivement, que je sois aux trois autodromes, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme un traveling series. Nous, qu'on a ici, c'est pas mal le même groupe de pilotes qui vont à chacune des trois pistes. Et c'était plus simple pour eux, probablement, de savoir comment est-ce que Steve était pour appliquer les règlements. On sait au hockey, il y a des arbitres qui vont laisser plus aller le jeu. D'autres arbitres vont être extrêmement sévères. Je suis certain, même si je n'ai pas été dans la chambre des joueurs avant une partie, que les coachs vont préparer les joueurs en fonction de quel arbitre va arbitrer le match dans la soirée et tout ça. Puis moi, je vois d'un bon œil que la stabilité soit là pour l'encadrement des pilotes parce qu'on sait sur quel pied danser. La communication est importante avec les pilotes avec lesquels on doit travailler durant le programme de course. Et si jamais je suis en mesure de passer ma façon de travailler avec mon équipe aux équipes de course, ils vont savoir à quoi s'en tenir. Je crois que ça peut être plus simple de cette façon-là, effectivement.
Il y a eu des controverses à travers le temps, Steve, que tu as vécu. Puis ça ne me tente pas d'entrer là-dedans là, parce que c'est ressasser les histoires du passé. Mais moi, je préfère savoir comment est-ce que l'homme a vécu ça, le fait de se faire critiquer souvent, que ça vienne d'un peu partout. À un moment donné, as-tu déjà eu le feeling, là, j'en ai plein mon casse des critiques, puis c'est terminé, puis je passe à autre chose? Ben oui, c'est certain. C'est certain, ça, on est tous sensibles à certains niveaux. Mais à partir du début, quand on embarque dans un rôle comme celui-là, c'est pas un concours de popularité. À partir du moment qu'on comprend qu'on n'est pas là pour faire plaisir à personne, c'est des choses qu'on se rappelle souvent. Moi, je me souviens d'une anecdote très, très simple. Un pilote m'avait écrit. Comment il était vraiment déçu, en désaccord avec la décision que j'avais prise. Puis, moi, je me disais toujours, en arrière-pensée, il n'y a pas nécessairement tort dans ce qu'il me dit. Il est en train de m'expliquer son point de vue, la façon qu'a vécu sa soirée avec moi, la façon qu'a vécu ma décision. Mais ce qui était important pour moi, c'était de prendre la décision qui ferait que le soir même, j'irais sur l'oreiller puis je m'endormirais correctement puis que je serais capable de vivre avec ma décision. Et ça se passe tellement rapidement qu'il n'y en a pas une bonne décision. On doit rendre une décision. Il n'y en a pas nécessairement une bonne, sauf qu'il faut que je sois à l'aise avec la décision que moi, je vais prendre. Et souvent, j'ai pris des décisions que je savais qu'elles seraient impopulaires. Automatiquement. Je savais que c'était pour faire de la grogne, je savais que j'étais pour être sur les réseaux sociaux, puis qu'on était pour parler de la décision que j'avais prise et tout ça. Mais ma décision, je la prenais parce que je savais que moi, je serais à l'aise avec. Pas nécessairement ce que les autres seraient à l'aise avec, mais moi, je serais à l'aise avec la décision que j'étais pour rendre. Et c'est pour ça que, à partir du moment où on crée cette carapace-là, malgré qu'elle soit pas étanche à 100%, là, on est capable de faire un certain temps. C'est à partir du moment où ce que tu acceptes qu'il y a des gens qui vont être satisfaits, il y en a d'autres qui vont être insatisfaits, que tu es capable de poursuivre et de laisser faire un peu ces critiques-là, même si on n'est jamais capable de les tasser complètement. Steve, des gens ignorent peut-être, parce qu'on a déjà vu passer une photo là, pendant qu'on se parle, de Tony Stewart, qui est pour toi quelqu'un que tu connais quand même assez bien à travers les années. Il faut que tu expliques aux gens d'où est née cette relation-là avec Tony Stewart. Tony, en fait, je l'ai rencontré la première fois à l'épreuve en Virginie de téléguidé. Tony, avant de devenir quelqu'un de connu, une célébrité, là, un pilote professionnel, aimait beaucoup les compétitions de voitures téléguidées. Et Tony avait acheté la compagnie Custom Works RC aux États-Unis. Et j'ai obtenu en fait le support de cette entreprise-là. Puis lors d'un événement où ce que j'étais parmi l'équipe, on a côtoyé en fait toute la semaine de temps là, dans son motorisé, au kart, on écoutait des films. Puis Tony, c'est un gars simple, c'est un gars comme tous nous autres, sauf que j'écoutais un film, j'écoutais Starsky and Hutch, je venais de sortir. Puis là, mais j'ai dit au groupe, ça me tente-tu, on va écouter Starsky and Hutch, fait que je mets le DVD dans son motorisé. Puis là, il arrêtait pas de passer des commentaires, il connaissait tout le monde. Il disait « Carmen Electra, patati, patata ». Là, il arrêtait. Là, j'ai compris que c'est un gars comme nous autres, mais il est pas dans la même ligue. Non. Donc, il joue pas avec les mêmes joueurs que nous autres. Sauf que Tony, c'est un gars extrêmement terre-à-terre. Et puis, quand je l'ai côtoyé, par ça, ben, je l'ai vu, on a mis une photo tantôt à Ashwicken, on a passé du temps ensemble et tout ça. Tony, c'est quelqu'un qui ne t'oublie pas, puis quand je vais aller voir, on jasait de téléguider un peu et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à connaître Tony Stewart. Mais en fait, c'est le téléguidé là, qui nous a réunis à partir de ce moment. Donc, si jamais on veut l'avoir dans 7 semaines aux courses, il faut passer par toi. Là, tu vas être notre attaché de presse. Une chose, Yann en a parlé pour Drummondville dans le temps, c'est hyper compliqué. Ben, c'est sûr, écoute bien. Leur agenda, disons que c'est pas mal plus simple maintenant. Là. Ben, ouais. Nous, peut-être plus de chance de rencontrer sur une piste de drague de ce temps-ci que sur une piste d'oval. Ouais. Mais disons que son horaire est extrêmement chargé, puis présentement, je pense que c'est un coup de douce, il a le goût de relaxer un peu. Ce qui n'était pas le cas quand il était dans la Winston Cup, puis le Nextel, puis le Spin Cup par la suite. C'est des horaires tout simplement impossibles. Les années où moi je l'ai rencontré à Virginie, les courses de téléguidé, il était dans le Home Depot. C'était déjà moins médiatisé dans ces années-là. Mais par la suite, il arrivait aux événements, il devait compétitionner. Tout était prêt, les voitures étaient préparées. Puis finalement, à la dernière minute, il ne pouvait pas se présenter. Il arrivait juste durant les finales. Il prenait l'hélicoptère, il arrivait à la piste de téléguidé. Puis là, mais il était avec les boys pour la finale. Il n'avait pas pu compétitionner. Donc, il était déchiré dans le temps. Il ne pouvait pas vraiment faire tout ce qu'il avait voulu faire.
C'est tout un passionné, en tout cas, Tony Stewart. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il fait pour la terre battue. Il est encore un grand ambassadeur pour ce qu'on fait. Il court encore régulièrement avec un sprint car, propriétaire d'équipe à Eldora. Il se spécialise aussi dans la préparation de pistes. Il n'y a pas un chapeau qui ne lui fait pas, Tony Stewart. C'est incroyable. Propriétaire d'équipe de course. Y a-t-il quelque chose qu'il n'aime pas aux courses, lui? Vraiment, c'est incroyable. Tony, c'est ça. En fait, c'est vraiment un passionné de course, comme tu l'as dit. Puis, il va toujours graviter autour des pistes de course parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il a toujours fait de son père. Hein? Il a commencé à go-kart avec son père qui l'a équipé. Puis, c'est un peu comme nous tous. Là. C'est des mordus de course. Puis, quand on aime quelque chose, on continue. Messieurs, vous partagez une passion commune pour le téléguidé. Steve, d'ailleurs, t'en as un juste en arrière de toi, la voiture 85, qui est une voiture sprint car qui est prête à rouler sur la terre battue. Faut que vous me parliez de cette passion. D'abord, Steve, c'est venu d'où, justement, cette passion du téléguidé pour toi? Parce que c'est presque devenu un travail à temps plein. Ça remonte vraiment, vraiment loin. Là, je pense que ça fait 32 ans ou 33 ans que je fais de la compétition de voiture téléguidée. Ça a commencé, moi je me souviens, on était jeune, avant toi Tony, là, excuse-moi, là, mais dans la distribution consommateur, Ben a peut-être connu ça, là, la distribution consommateur, on regardait là, les voitures téléguidées, mon frère et moi, puis là on voyait un modèle, là, c'était vraiment un ajustement de steering proportionnel avec plein de possibilités. Puis on voulait des voitures téléguidées, c'était... le cadeau ultime. Ben là, on a réussi à avoir des voitures téléguidées à l'âge de 16-17 ans, commencer à faire des compétitions. Puis, mes partenaires me posent la question souvent, combien de fois tu courses par année? Ben, combien de semaines par année, là, à peu près? Là? Ben, moi, j'arrête jamais. Là. Pour moi, c'est comme jouer aux cartes. Les joueurs de cartes aiment jouer aux cartes. Moi, les voitures téléguidées, c'est la compétition. Et j'ai jamais arrêté depuis 32-33 ans à faire des compétitions de voitures téléguidées toutes les semaines. Donc, j'en suis venu à avoir des voitures que je mets sur le marché. Puis, ça me tient pas mal occupé. Je prépare mon après-carrière. Là, je me vois être autour de ça plusieurs années encore, des décennies. C'est vraiment une passion incroyable. Puis, qui t'a amené à courir dans des championnats nationaux aux États-Unis. Tu es tellement maniaque de téléguider que tu es prêt à te déplacer jusqu'en Oklahoma pour aller courir puis revenir en quarantaine après. Méchant maniaque! Oui, disons... J'ai dû répondre à des messages que j'ai reçus là, durant notre voyage là, en début d'année tout ça. Mais on a respecté toutes les règles. Il n'y avait pas dans la tourloupette là, dans notre voyage et tout ça. C'était déjà planifié qu'à mon retour, j'étais en quarantaine chez mon frère. Et pour les intéresser, la police s'est présentée chez mon frère, vérifier si on était bel et bien là. On était là. Disons que lorsqu'on veut faire quelque chose, on trouve une façon de le faire. Puis lorsqu'il est venu le temps de vouloir se déplacer en début d'année, aller dans le Midwest, après ça, aller en Floride, bien, on a trouvé la façon de le faire à ce moment-là. Ça a très bien tourné. À mon retour, c'était plus compliqué, dans le sens que si j'étais revenu une semaine plus tard, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Disons que ça a bien été dans ce cas-là et tout ça. Vous savez, les gars, quand on veut vraiment quelque chose, ça va arriver. Bien là, on a fait un beau voyage, mon frère et moi. Et là, l'année prochaine, on va y retourner avec nos épouses. Puis on veut faire ça encore une fois. C'est devenu un trop beau trip de gars de ne pas impliquer nos épouses cette fois-ci. Et ça, ce championnat-là à Tulsa, en Oklahoma, c'est pratiquement en même temps que le fameux Chili Bowl, là, Steve. Oui, tout à fait. Puis quand on parle de vivre un trip de course, là, c'est des endroits, en fait, sur le même site, là, mais c'est deux buildings différents. Puis c'est la mecque de la course automobile à ce moment-là. Il n'y a rien qui se passe sur la planète pratiquement durant cette semaine-là. Donc, d'un côté, on a tous les adeptes de full scale qui sont dans les midgets. On a également les compétiteurs qui vont du côté des voitures téléguidées. Les deux ensemble se mêlent parce qu'il y a plusieurs, comme j'ai mentionné tantôt, que ce soit Tony Stewart, vont également aller du côté de la voiture téléguidée durant la même semaine. Donc, c'est la mecque de la course automobile durant cette semaine. Un univers fascinant qui prend de plus en plus de place au Québec. Puis Ben, t'es impliqué à plein, toi aussi, pendant l'été là-dedans. Ouais, ben moi, c'est quand même assez récent. T'sais, ça a commencé en 2005. C'est justement Steve qui m'a initié à ça. Il venait juste de partir de la nouvelle classe, les modes boss, avec son frère Eric. Et puis, il me dit une semaine, il dit, viens essayer ça, viens voir de quoi ça a l'air. C'est des beaux véhicules, des beaux bolides. Fait que j'essaye ça, une course un lundi soir à une piste à Drummondville. Puis j'avais beaucoup aimé ça. Et là, la semaine d'après,
Steve, il me dit, ah, ça tente-tu de revenir? Ben là, tu sais, je veux pas m'imposer. Il dit, non, non, non. Il dit, tu viens, tu prends la manette, puis tu t'amuses. Fait que c'est à partir là, la semaine, peut-être 2 semaines après, je vais t'acheter une voiture, puis ça a commencé là. Puis après ça, ça déboule. Après ça, ça vient avec les sprint cars, justement, les voitures un peu plus, ben, un peu plus même, beaucoup plus évoluées, plus pointues à conduire avec les ajustements. Et puis, c'est ça qui fait le passe-temps. L'été comme hiver, on est chanceux, on a des pistes intérieures du côté de Saint-Rogue-la-Chicane qu'on peut en faire 12 mois par année. On a des très, très belles pistes extérieures, notamment au Granby RC, au Tewill Speedway. Donc, c'est un sport parfait, c'est un sport qui est peu coûteux, puis qui est très plaisant. On rencontre des gens très intéressants, donc c'est très, très plaisant comme passion. Il y a vraiment une belle confrérie qui se déplace de circuit en circuit dans le plaisir. Granby, c'est souvent le lendemain des événements. Le samedi matin, on se réveille, puis le motorisé, puis déjà, il y a de l'action là, au Granby RC. Au niveau du téléguidé, comme tu le disais, Steve, tu te vois t'impliquer encore pendant des années là-dedans? Ah oui, entièrement. En fait, bon, peut-être certains le savent, mais peut-être pas tous, là, mais moi, c'est certain que mon trill, c'est encore aujourd'hui de piloter un full skate. Je me trouve encore jeune. Je me laisse encore le temps. Il y a beaucoup d'argent investi là, du côté de nos équipes de course pour bien le faire. Et si moi, je m'investis, ça va être pour performer. Je suis rendu à... Ben me parlait tantôt, là, les modes boss. On voit la photo là, que mon frère, la classe, qui a mis sur le marché, tout ça. Il y a une belle porte d'entrée pour les modes boss. On a des belles portes d'entrée pour nos classes ici, entre autres les sportsmen. On commence par les slingshots, shots, puis on gradue dans tout ça. Donc, j'ai beaucoup encore devant moi, puis je ne me vois pas arrêter un petit peu. Ça, c'est certain. Steve, vraiment le fun, honnêtement. Je sais que tu as plein de choses à raconter, puis tu seras un excellent intervenant pour d'autres sujets de course automobile, parce que tu es un vrai passionné qui gagne à être connu, Steve. Même si tu as le rôle de la police, mais des fois, quand on fait jaser des policiers, on apprend une tonne de choses. C'est un peu la même chose dans ton cas, mon cher Steve. Bonne fin de soirée. Merci d'être passé nous voir, puis on se reprend très, très bientôt. All right. Salut Steve, bye. Salut Ben. Salut. Un gros merci pour ta participation au show d'aujourd'hui. On fait une pause et au retour, Minibus Kevin Hébert vient nous parler du Grand Prix de Formule 1 d'Espagne qui a eu lieu hier matin. Et encore une fois, ben oui, il s'appelle Lewis puis il est bon en tabarouette puis il a encore gagné. Mais, pas tout seul là-dedans. Et Kevin va être là pour nous jaser tout ça. L'Autodrome Drummond fête ses 70 ans et se réinvente. Nos classes locales, modifiées Sportsman Pro Stock Lightning Sprint Mud Light Slingshot Junior et Senior ainsi que STR seront à l'affiche. Viendra s'ajouter la Super TT Nationale Série, mettant en vedette VTT, SXS et Autocross. Également la série NAFT, North American Flat Track. La visite de la série Empire Super Sprint à 2 reprises. La série Dirt Car Gros Bloc. Le Race Mania 17. Et l'événement de l'année à l'Autodrome Drummond, le Québec Dirt Weekend. 2 soirs de course, dont une bourse de 12 000 $ aux gagnants le samedi soir pour une course de 170 tours en modifié. Veuillez noter que la situation concernant la COVID-19 pourrait avoir un impact sur les soirées de course de l'Autodrome Drummond en 2021. Advenant le cas, tous les détails vous seront dévoilés dans les plus brefs délais. L'Autodrome Drummond, la F1 de la Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625A, boulevard Lemire à Drummondville ou sur internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. On est de retour dans cette semaine aux courses. Il est de retour, Kevin Hébert, qui viendra nous jaser de F1. Mélie, comment tu as trouvé ton Grand Prix d'Espagne hier? Ça l'a été, je vais dire, un mix d'émotions. On a eu un bon départ. Verstappen qui a surpris dès le départ. Verstappen avait trouvé le rythme qu'il fallait, a surpris Hamilton dans le premier coin.
Suite à ça, ça a été de la stratégie, ça a été le qu'est-ce qui est le nerf de la guerre, c'est la technologie, c'est la pensée derrière les équipes qui a fait la différence. C'est l'impressionnant Toto Wolff et ses ingénieurs qui ont décidé de jouer leur carte, de mettre Lens et le King de la bonne couleur, puis qui ont défait Red Bull avec 26 tours, là, je crois. 24 tours ou 26 tours que Hamilton avait 22 secondes à aller chercher sur Verstappen. Puis ça s'est fait. Il a été capable de gagner tout cet écart-là puis d'aller chercher la victoire. Je suivais le Grand Prix, justement. J'animais mon émission matinale au 91 Sport avec les yeux sur le Grand Prix d'Espagne. Puis à ce point-ci, je me disais, ça va être fascinant à suivre, mais non. Et Hamilton a complètement mangé Verstappen. De tour en tour, il lui prenait plusieurs secondes. Et à la fin, c'était une formalité tellement que Red Bull a été forcé de rentrer dans les puits pour aller chercher le point bonus du temps le plus rapide en piste et ensuite finir deuxième. Je peux comprendre Verstappen d'être fâché de la tournure des événements parce que la manœuvre qu'il a fait au début du Grand Prix aurait pu lui permettre d'aller chercher la victoire parce que ça prenait vraiment là, du cran pour réussir à faire ce qu'il a fait au début. Ouais, c'était vraiment le tout pour le tout. C'était soit ça passait, soit ouais. C'était une pénalité. Hamilton a eu la tête sur les épaules de lâcher, de ne pas détruire sa voiture puis celle de Verstappen en même temps. Ça l'a payé pour Verstappen. Par contre, qu'est-ce qui a été déstabilisant? C'est le set de pneus qui restait, le set de pneus médium qui restait pour Hamilton. C'est ça qui a changé. Puis je lisais aujourd'hui, là, il y en a quelques-uns qui disaient pourquoi que Verstappen, justement, t'sais, lui aussi, il lui en restait un. Pourquoi qu'il n'a pas arrêté au puits le tour d'après, tout de suite après? Ouais. Mais les calculs, la F1, c'est quelque chose de précis. Ça n'aurait pas marché. Il aurait manqué des secondes à la fin. Le risque était trop grand. Fait que finalement, c'était une chasse à l'homme. Verstappen, il devait se défendre. Il devait pousser le plus possible avec ce qui lui restait de pneu. Puis non, c'est ça. C'est vraiment... C'était une vraie chasse à l'homme. Hamilton, il mangeait des secondes autour. Oui, puis les deux avaient les pneus complètement finis. Après là, il ne restait plus rien sur les pneus, autant de Verstappen que de Hamilton en fin d'épreuve. Je sais que Verstappen est rentré au puits, mais Hamilton ne restait plus rien tellement là, les pneus avaient travaillé. Somme toute, donc, la stratégie a été la bonne pour Mercedes. Et en plus de tout ça, ce qui n'aide pas Red Bull actuellement, c'est des résultats ordinaire de Sergio Perez, et ça, c'est pas ce que Christian Horner souhaitait. On voulait aller chercher un pilote capable d'aller chercher des points de façon régulière, et dans le cas de Perez, il faut le dire, c'est un début de saison plutôt ordinaire. Oui, malheureusement, on le disait là, à Bahreïn en début de saison, les premiers tours de piste ont été difficiles. En ce moment, c'est de l'ajustement, un petit peu de malchance aussi. De la difficulté là, de quelques fois avec les arrêts au puits qui sont moins payants que si ce serait ceux à Verstappen. Oui, Sergio Perez a de la difficulté. Au moins, ce qui aide, c'est poche à dire, mais le Mexicain, il amène un petit peu de fond chez Red Bull qui permet justement d'aller chercher des nouvelles améliorations pour se rendre jusqu'au rythme d'une Mercedes. Donc, est-ce que c'est vraiment très médiocre ce qu'il fait? Non. On l'a rarement vu hors du top 10. Encore cette semaine, là, a ramené des points malgré tout. Ouais. Par contre, c'est sûr que ça va être le temps d'amener de meilleurs points, des meilleures positions. Ne pas juste bien figurer en qualification, mais être capable de ramener une voiture au moins sur un podium. Parce que Alex Albon, l'année passée, c'est ce qui lui avait fait perdre son volant. Et aucune chance d'aller chercher le podium. C'est ce que ça va prendre, selon moi, là, pour pas qu'une nouvelle recrue là, rentre à sa place. Parce qu'en en fin de semaine, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu ça, c'était le début de la F3. Je n'ai pas vu. Mais c'est complètement différent. C'est tous des jeunes, je vais dire de mon âge, dans la vingtaine et un peu moins. Ils commencent à avoir le couteau entre les dents. C'est des gens qui ont leur licence FIA, qui sont prêts à monter là, en F1, c'est le temps de faire leur preuve. Ben, il y a en F3 cette semaine, David Auger qui a été chercher la première victoire à Barcelone. Donc, la F3, c'est comme trois courses d'affilée dans la même fin de semaine, deux petites courses, une plus longue course qui ramène plus de points. Ben, lui, c'est un pilote rookie chez Red Bull. OK. Il pourrait peut-être là, être intéressant avec la performance qu'il a faite en fin de semaine pour
Est-ce que l'année prochaine ou dans 2 ans, on pourrait le voir aller chez Red Bull à la place de Sergio Perez? C'est quelqu'un qui peut amener les fonds puis aussi le talent. OK, intéressant, parce que le pilote auxiliaire de Verstappen a tout que des croûtes à manger parce que plusieurs se sont piqués au cours des dernières années. Kvyat y a passé, Gasly y a passé. Là, évidemment, Albon ne fait que passer lui aussi du côté de Red Bull. Et là, ben, c'est au tour de Perez, un gars plus âgé, plus d'expérience. On verra maintenant s'il pourra renverser la vapeur. On parlait de Mercedes tantôt. Moi, j'ai surtout hâte de voir comment le dossier de Valtteri Bottas va évoluer au cours de la saison. Clairement, Mercedes a George Russell dans le collimateur. C'est lui qui avait remplacé Hamilton lors d'un Grand Prix l'an passé lorsqu'il avait contracté la COVID-19. Russell est le prochain, c'est sûr. Quand va-t-on l'amener? Est-ce que ça pourrait être d'ici la fin de la saison? Ça se pourrait. Avec la friction qu'il y a eu en fin de semaine, c'est toujours difficile d'être à côté d'un Verstappen puis d'un Hamilton. Là. C'est pas facile de devoir se tasser par l'extérieur puis laisser aller le plus rapide. En fin de semaine, là, malheureusement, on ne l'a pas eu en entrevue. En tout cas, je ne l'ai pas pogné en entrevue, mais Bottas était furieux de devoir encore une fois laisser passer Hamilton. L'a pas laissé passer Hamilton. Oui, non, effectivement, ça a été tiré par les cheveux. Là. Je pense que ça doit avoir parlé d'un micro pour le laisser passer parce que non, c'est difficile. Puis si vous l'aviez vu là, dans la série Netflix de la F1 Drive to Survive, Bottas n'est pas quelqu'un justement qui a le caractère pour ça. Donc, puis tandis qu'un Russell de ce monde est prêt à faire à négliger cette partie-là peut-être pour une certaine partie de sa saison jusqu'à temps de montrer ses preuves. Ouais. Puis George Russell en ce moment, c'est le Alex Labbé de la F1. C'est celui qui en fait beaucoup avec peu. Il y a une Williams entre les mains, une des pires voitures sur le circuit. Mais quasiment capable de se rendre en Q3 en qualification. Et on passe toujours proche, mais avec une Williams. Exact. Peut-être un petit mot en terminant, Kevin, sur les Aston Martin. Encore une fois, c'est un résultat très ordinaire en fin de semaine pour Aston Martin. Écoute, on n'est pas dans le top 4 des écuries, mais rien de proche de ça. Non. Encore une fois, Stroll déçu. Semblait vraiment déçu de sa performance avec une 11e. Par contre, Sébastien Vettel, lui, de son côté, il semblait blasé. On est en début de saison encore, puis il semblait blasé de sa performance. Il lui disait on mérite pas mieux. On n'a pas la voiture pour, on n'a pas l'écurie pour. Il nous manque quelque chose. On n'est pas rendu encore à être une des écuries du top 4. Clairement, chez Aston Martin, on a un manque à quelque part qu'il va falloir régler avant la fin de la saison parce que peut-être qu'un chef d'écurie qui était supposé avoir amené là, des bons ajustements, des bonnes améliorations au courant de l'hiver pourrait peut-être perdre son chapeau. En tout cas, M. Stroll, lui, ne sera pas patient. C'est sûr qu'il ne sera pas patient. Il ne sera pas durer la situation trop longtemps. Vous pouvez être certain de ça. Lui, il ne veut pas perdre la face en F1. Il veut gagner rapidement. Il pense que son fils Lance va être capable de faire ça. Seul l'avenir le dira, mais présentement, c'est un début difficile. Et là, c'est le moins qu'on puisse dire pour Aston Martin. Mehdi, je te laisse partir. Prochaine étape, Monaco, mon cher. Monaco dans 2 semaines. Ça va être de la course. Attention à Nikita Mazepin. Je lui confirme que je pense qu'il prend le mur dès le premier virage. Ah, oh, ça, c'est plate. Mais on va être pessimiste encore une fois dans nos prédictions. Oh, peut-être bien. Salut, Mehdi. Bye. Salut, Tony. Mehdi Beur, qui est avec nous, Kevin Hébert, pour nous jaser de F1. Petit rappel, dès demain matin, hein, la balado-diffusion de cette semaine aux courses sera disponible sur Spotify. Très facile à trouver sur notre site web, qu'on vous invite à consulter un paquet de textes toute la semaine, nos différentes sections, et très bientôt, l'album photo de notre nouveau collègue Éric Pivin sur notre site. On fait une pause et au retour, Tommy Lavallée se joint à moi et on commente les derniers résultats sur la terre battue, les modifiés, les sprint cars et les late models. Restez là. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture.
Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit, et plus, tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625A, Boulevard Lemire, à Drummondville, ou sur Internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. C'est le dernier segment de l'émission et bon, c'est l'étape fétiche, à mon avis, de l'émission en guise de conclusion. Alors qu'on va commenter l'actualité du monde de la terre battue. Tommy Lavallée est en ma compagnie. Tommy, il faut absolument commencer notre récapitulatif de la dernière semaine avec le gros événement de la semaine en modifié. C'était l'étape de Bridgeport dans la série Super Dirt Car, le seul endroit l'an passé qui a reçu la série pendant le sommet de la pandémie. Oui, l'an passé, on s'en souvient, c'était une course de crevaison. Crevaison par crevaison, on a vu beaucoup de pilotes justement être pénalisés pour ça. Et ça a commencé encore de la même façon, beaucoup de crevaisons. Je pense que je t'ai texté justement, il y avait un match de Rocket. 5 crevaisons dans les 12 premiers tours. J'ai dit, oh, ça va être long. Finalement, ça s'est quand même placé rapidement. Et vraiment, une victoire surprise de Tim Fuller. Si on m'avait dit que Fuller était pour remporter une victoire sur une piste aussi rapide que ça, on le sait, c'est plutôt un technicien, là, depuis quelques années là, avec son expérience. Mais Fuller était remporté cette victoire-là. Il n'est pas parti premier. Là. Il est parti sur la 7e ligne, donc à l'intérieur 13e. A remonté ça, puis a été dépassé. Là, Max McLaughlin, qui était premier, lui, qui est... était à la chasse de Jimmy Phelps. Jimmy Phelps qui a quand même fait plusieurs tours à l'avant du peloton. C'est vraiment la course des négligés. Là. Phelps là, qui s'en allait là, rondement. Là. Il y a eu plusieurs drapeaux jaunes, mais tout de même, il s'est fait surprendre lors d'une relance. Il a choisi l'intérieur et McLaughlin en a profité justement pour le dépasser. Mais tout de même, une très belle prestation là, de Jimmy Phelps. On le sait, là, Jimmy Phelps est peut-être le pilote le plus moyen, disons. Il y a des bons résultats, oui, mais ça maintient toujours dans le top 10. C'est pas facile, évidemment, on le sait, mais quand même mieux fait que Matt Shepard. Matt Shepard, c'est vraiment difficile depuis le début de la saison. Pas une grande saison, Matt Shepard. Jamais été un facteur dans cette course-là. Matt Williamson, champion défendant, lui, dès le tour de chauffe, se retrouve dernier. Il y a eu un problème avec sa voiture. Stuart Friesen, oui, a terminé deuxième, mais c'était long avant qu'il revienne à l'avant. Vraiment, c'est une course spéciale. Probablement le meilleur spectacle, c'est Ryan Gaudin qui l'a donné. A dû repartir de l'arrière. Gaudin est un régulier, là, du moins, a couru à plusieurs reprises à Bridgeport. A donné un très bon spectacle dans la voiture numéro 26. Et encore une fois, on a vu Mike Mahaney là, qui a tenté tout ce qu'il pouvait là, pour aller récolter un autre bon résultat, mais lui aussi a eu des ennuis. C'est finalement Friesen qui termine deuxième derrière Fuller. Mad Max termine... troisième, par la suite, on a Peter Britton, Jimmy Phelps et la surprise, le pilote local Alex Yankowski, seulement 16 ans, très belle course dans la voiture 84. Très bon, le jeune Yankowski, très bon début de saison sur les circuits de la Pennsylvanie. Retenez bien son nom, le jeune Alex Yankowski. Alors, voici donc les résultats du côté de Bridgeport dans cette épreuve de la série Super Dirt Car. Allons maintenant sur les pistes locales. Et cette semaine, Tommy, bien là, la pluie s'est invitée sur plusieurs circuits. Encore plus vendredi soir où très peu de circuits ont pu courir, mais Malta s'en est échappé. Il y a eu des courses à Albany-Saratoga. Oui, je pense que tout le monde qui me connaisse ont ri lorsqu'ils ont vu le résultat parce que Keith Flack, c'est un gars, moi je me suis attaché à ce gars-là lorsqu'il faisait la série 2, c'était pas facile, baissait pas les bras et là il était dominant vendredi à Malta, c'était incroyable dans la qualification à quel point la voiture 43 fonctionnait. Complètement à l'extérieur, sortait là, dans le démêlé, puis c'était incroyable la puissance qu'il y avait dans cette voiture-là. À la fin de la course, Keith Flack, là, qui était premier, a vu Anthony Perego là, qui est revenu sur lui, mais Flack a réussi à garder sa position. Et celui qui a terminé troisième, c'est Larry White. Larry White qui était justement en visite à Malta, puisque je pense qu'il aurait couru du côté de Brewerton, évidemment, là, si on avait eu des courses. Ouais. Et parlant de pluie, Anthony, on le sait à quel point ça a été difficile pour Utica Rome dans les dernières années. Change encore de journée, encore une fois annulé par la pluie. L'histoire se répète du côté de Utica. On attend toujours le premier programme donc de Brett Deo comme promoteur du côté de Utica. Donc, tombe sous la pluie, c'est le cas de le dire. Les résultats, Flack devant Perego,
Larry White et les deux jeunes Jack Lehner et Demetrios Drellos qui complètent le top 5 du côté de Malta. Anthony, on a justement le vidéo, on a eu un capotage et on a trouvé le vidéo à l'intérieur de la voiture. Oh. Regardez ça. La voiture est partie tout seule, là, frappée et justement le mode de terre et s'est ramassée là, sur le toit. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais on a vu que au niveau des towings, c'est pas Grimby avec les boissonneaux. Non, non, ça cogne, effectivement. Quand tu tombes dans le démêlé, là, attention, la voiture peut mordre. Et c'est ce qui est arrivé sur cette séquence. Fonda, maintenant, samedi, on parlait de Brett Dio. Ben, il est le promoteur du côté de Fonda. Et quand il est disponible à courir le samedi, ben, il va s'inviter constamment à sa piste de prédilection. Stuart Friesen était là. Et sans surprise, il ressort avec le chéquier du vainqueur. Oui, c'est son terrain de jeu, Anthony. Je suis convaincu que ses compétiteurs regardent le calendrier de la série de pick-up et disent « Ah non, il va être là en fin de semaine. Ouais. » En plus, il était chanceux, part troisième. Il faut en parler. Dans sa qualification, Friesen, là, c'est pour vous montrer à quel point que c'est une tête de course, Friesen. Partait quand même assez loin. Tentait de remonter le peloton. Ça ne marchait pas comme il voulait. Il s'est retrouvé quand même assez loin des leaders. Et on le sait, on prenait seulement les quatre premiers à la pige. A décidé de causer un jaune, était dans les puits, on a regardé un peu s'il y avait quelque chose. Il est reparti de l'arrière, terminé dans les quatre premiers, va à la pige, pige 3, et est parti à la chasse de Bobby Varin dans la voiture numéro 18. Et il l'a passé vraiment là, comme une fusée. Dans les lap cars, on le voit justement là, avec Jamike Soul, la voiture numéro 76. C'est là que Friesen en a profité et a été remporté une autre victoire du côté de Fonda. Du côté, là, justement, là, il est chez eux à Fonda, là, Stuart Friesen. Un autre excellent résultat pour lui. A devancé Bobby Varin et Mike Mahaney a terminé troisième. Ça se poursuit pour Mike Mahaney, encore une fois. Très bonne saison là, pour le pilote de la voiture 35, que ce soit dans la série Dirt ou dans la série de Brett Dale. Vraiment toujours de bons résultats. Craig Hansen et Ronnie Johnson terminent dans le top 5 à The Track of Champions du côté de Fonda. Alors, on va aller voir du côté de Orange County Fair Speedway où on présentait un programme de 3,58 samedi soir. On en parlait tantôt avec Brett Hearn. Eh bien, on fait le pari cette année, Toby, de présenter des événements spéciaux en gros bloc et de garder la classe régulière de samedi en 3,58. Et je pense que ce ne sera pas facile, Anthony. Évidemment, avec la distanciation, on ne peut pas remplir les estrades, là, mais j'ai bien hâte de voir lorsqu'on pourra le faire, si on va être en mesure justement de remplir ces estrades. On le sait, là, c'est très, très grand du côté de Middletown. Mais quand même, au niveau du peloton, il manque beaucoup de gros noms. Anthony Perego, vraiment, là, est un des seuls gros noms justement de la série, gros bloc, ou du moins qui court sur plusieurs circuits. Mais c'est une victoire de Roger Hinnion Jr., qui a remporté la course devant Allison Ricci. Premier podium pour Ricci en 3,58. Très belle performance. Jamie Spellman, un ancien pilote Sportsman, a terminé troisième. Perego a terminé quatrième. Il faut savoir, le final, 30 tours, parti 17e. Donc, wow. Perego a vraiment là, au-dessus de la mêlée. Il a manqué de tours pour aller à l'avant. Mais s'il participe à toutes les courses, on le sait, il en a manqué une, je crois. Mais il va remporter la plupart de ces courses-là. Et finalement, c'est Chris Schultz dans la voiture 24 là, qui a pris le cinquième rang. Le jeune Hinnion Jr., 16 ans seulement, remporte la victoire du côté de OCFS. Grandview Speedway, la piste de la Pennsylvanie où on roule selon les règlements NASCAR avec les American Racers comme pneu du côté de Grandview. C'est le vétéran Dwayne Howard qui est venu l'emporter. Lui qui a changé de voiture cette année du côté de Dwayne Howard. Oui, Dwayne Howard, qu'on le voyait habituellement dans la voiture de Norm Ansell, la voiture 357, se retrouve maintenant dans la voiture numéro 15. Il a été chercher une deuxième victoire cette saison du côté de Grandview. Et vraiment, c'est les vétérans là, qui ont bien fait là, cette fin de semaine du côté de Grandview. Craig Van Doren a terminé deuxième. Mike Golar là, était régulier auparavant à Grandview. Il était là samedi puisqu'il y a eu de l'appui du côté de New Egypt. Donc, il s'est présenté à Grandview, a terminé troisième. Brett Chrisley a terminé quatrième et finalement, c'est Mike Lisowski qui a complété le top 5. Vraiment, on a des noms qui se démarquent du côté de Grandview qui reviennent semaine après semaine. Je pense que Greg Van Doren a seulement des top 5 depuis le début de la saison. Vraiment, là, il est chez lui et il faut le dire, là, la foule l'apprécie beaucoup là, du côté de Grandview. Oui, c'est probablement le Mario Clair de Grandview, Craig Van Doren. Il est populaire à ce point-là. Samedi, on présentait le programme d'ouverture sur le circuit méconnu de Thunder Mountain. On présentait une classe open.
Vraiment, ce sont des gros blocs. Et également une classe 358. Deux épreuves à modifier, donc, et c'est des pilotes très connus qui sont venus l'emporter, Tommy. Oui, Billy Decker est le champion défendant de Thunder Mountain. Il ne fera pas la saison régulière, mais a quand même été remporté la victoire dans la voiture, justement, préparée par la famille Smith. Billy Decker a remporté la course en gros bloc. Ça a été une domination de Billy Decker, on le sait, là, un pilote qui est excellent, beaucoup d'expérience. Et évidemment, en étant un champion de cette piste-là, quand il se présente, on s'attend vraiment à rien de moins de sa part. Sean Walker, Alan Barker, Nick Nye et Kenny Hamon ont complété le top 5. Des noms un peu moins connus, mais il faut savoir que du côté des 358, Fulton étant cancellé, il y a plusieurs pilotes de 358 qui se sont dirigés vers Thunder Mountain. Et c'est Larry White qui a été remporté la victoire. Larry White, là, qui justement, là, on le sait, était, c'est sûr qu'il va aller courser à Fulton. Ça appartient à son père, cette piste-là. Ouais. Donc, était du côté de Thunder Mountain, a remporté la victoire. C'est lui qui a terminé deuxième. C'est le pilote qui fait la série habituellement, Rusty Smith, qu'on a pu voir au Québec avec la voiture numéro R2 habituellement. Colton Wilson a terminé troisième. Dave Mercuccielli a terminé quatrième et Jeff Taylor a pris le cinquième rang. Il y avait quand même plusieurs réguliers de Fulton en 358, comme on disait. On avait Jordan McCready également qui était présent. Donc, du côté de Thunder Mountain, oui, on en a profité, mais bien hâte de voir quel type de peloton qu'on va avoir lors d'une soirée normale. Oui, alors c'est quand même petit comme nombre de programmes de course à modifier. C'est ce qu'on avait à se mettre sous la dent en fin de semaine. Passons chez les Sprint Cars. Débutons tout ça avec les Empire Super Sprints, Toby, qui présentaient leur première épreuve comptant pour les points. Et c'est sur le circuit de Genesee, dans l'État de New York, qu'on a présenté la première épreuve de l'année. Oui, c'était la première épreuve de l'année. Davey Franek, qu'on a vu au Québec, également la voiture numéro 28, qui a été remportée la première épreuve. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est le spectaculaire accident là, qu'on a eu lors de la troisième qualification. On vous montre les images d'ailleurs. Regardez ça. C'est assez impressionnant. L'accident en question, je pense que ça vient de couper, qu'on a perdu la connexion ou quoi que ce soit, là, mais vous allez voir un capotage où la voiture va se retrouver dans la clôture à l'extérieur. Oui, Nick Fratto là, qui a été impliqué dans la voiture orange, là. Regardez bien ça, la voiture bleue là, qui a monté sur la voiture orange et on s'est retrouvé là, à l'extérieur du circuit. Les pilotes ont été quand même assez chanceux de ne pas avoir de blessures là. Et regardez, ça arrive. Et là là, toute une embardée. Spectaculaire embardée là. Et pour en revenir à la course, Anthony, c'est justement Davey Franek qui a remporté la course devant Matt Farnham et Paulie Colo-Giovanni qui a terminé troisième dans la voiture numéro 10. Donc, des pilotes qu'on est habitué de voir au Québec, évidemment, à chaque fois que les ISS sont présents à nos autodromes, il y a toujours de belles foules. Les gens adorent les sprint cars, donc on espère pouvoir les présenter là, sous peu là, du côté de nos promoteurs. Oui, puis nos pilotes québécois ont hâte aussi de participer à ces épreuves, évidemment, des Empire Super Sprints. En fin de semaine, attention, se déplaçait du côté de Eldora Speedway en Ohio, le circuit qui appartient à Tony Stewart. Et on en a parlé brièvement à tout début d'émission. Vendredi soir, controverse, Tommy, en lien avec la météo. D'un côté, les USAC Sprints qui voulaient courir. De l'autre, les World of Outlaws qui ne voulaient rien savoir de rouler. Oui, les USAC sont embarqués sur une piste très, très, très collante. Les voitures étaient pleines de terre et de boue. C'était pas large. Évidemment, c'était très touché au niveau du pilotage. Les USAC ont tout fait leur temps chronométré. Et lorsque c'était le tour des World of Outlaws, on a refusé d'y aller. Et là, du côté des USAC, on n'était évidemment pas heureux de ça. Nous, on avait été sur la piste. On avait sali nos voitures. On aurait pu canceller ça beaucoup plus tôt là, si on avait pris une décision. Donc, du côté USAC, là, d'ailleurs, le vainqueur de la deuxième soirée, là, et celui qui a terminé deuxième lors de la première course, Robert Ballou, qui a fait connaître son mécontentement sur Twitter. Vraiment, là, il les a presque traités de peureux. Donc, oui. C'était quand même assez virulent là, comme critique là, du côté des USAC. Tyler Courtney, lui, qui a remporté la première course. On voit présentement, là, justement, c'est les courses de 410 avec les Wings, donc de Sprint Car. On va en parler. C'est Sheldon Oldenshield qui avait terminé deuxième, remporté par Brent Marks, Anthony. Brent Marks perd son volant au début de la saison et va remporter une des grosses courses à Eldora cette année en 410. A pris la mesure justement de Sheldon Oldenshield qui a terminé deuxième, mais par la suite, à la balance, il n'a pas fait le poids, donc a été
a été disqualifié. C'est Aaron Reisel qui a terminé deuxième et Donnie Schatz a pris le troisième rang lors de la première course. Parce qu'il faut savoir qu'on a fait les deux courses le samedi. Tout d'abord, la première course samedi après-midi et le samedi soir, là, c'est Donnie Schatz, on l'attendait. On le voyait aller, on se disait, ça y est, c'est ce soir, 300e victoire, ça allait bien pour Donnie Schatz. Avait réussi à remonter ça, était à l'avant. Mais Sheldon Odenshield, le pied au plancher, complètement à l'extérieur, est venu le surprendre. Et on dirait que Schatz était tellement surpris de voir Odenshield passer, qu'il a été ralenti un peu. Et Logan Stewart en a profité pour s'immiscer en deuxième position. Mais encore une fois, Sheldon Odenshield, lorsque c'est rapide, là, c'est le pilote à surveiller. Pas à peu près. Et vraiment, il a surpris Donnie Schatz. Il attend encore sa première victoire de la saison. Tu l'as dit, sa 300e. Et on dirait qu'il a frappé le mur. En guise de me répéter, Tommy, mais il prend de l'ange, Donnie Schatz. Il a franchi le cap de la quarantaine et soudainement, c'est plus difficile d'aller gagner des victoires. Et présentement, il est 6e au championnat des World of Outlaw. On n'aurait pas dit ça il y a quelques années où il dominait outrageusement. Et ce n'est plus du tout le cas. Il ne fait plus partie des meilleurs sur la scène du Sprint Car. Non, il est devenu un gars de top 5, top 10. Mais il faut le dire, là, dans les 10 premières épreuves de la saison, c'était la première fois en, là, j'ai oublié, 30 ans, je crois, qu'il n'y avait pas un Kinzer, un Swindell ou un Schatz qui avait remporté une victoire. Donc, c'est pour vous montrer qu'une nouvelle vague en sprint car, et ça fait du bien. Odenshield n'est pas très vieux. Brent Marks, oui, il était un peu plus vieux, près de la trentaine, mais quand même, c'est un pilote qu'on ne voit pas assez souvent avec les World of Outlaw. Et Aaron Reisel, si on le sait, là, Reisel, pardon, c'est une recrue, donc un beau podium là, pour lui. Ian Madsen et Jacob Allen qui terminent 4e et 5e dans la deuxième épreuve à Eldora Speedway. En fin de semaine, on appelait ça l'événement Let's Race 2 du côté des World of Outlaw. Bon, on vous présente des images également des USAC Sprints puisqu'ils étaient également du côté de Eldora. Et ça, ben, il ne faut pas l'oublier, là, ce sont des voitures propulsées par des moteurs 410 mais qui roulent sans ailerons. Et bien souvent, ça nous donne d'excellents spectacles. Ben moi, c'est, vous le savez, je suis un gars de modifiés, j'adore les modifiés, mais les USAC, ce serait la classe que j'aimerais voir le plus au Québec, mais oubliez ça. Il n'était même pas 30 à Eldora, alors qu'on était prêt quand même d'où on court habituellement là, du côté USAC. J'imagine même pas au Québec à quel point ça serait difficile de les emmener. Mais tout de même, on a vu toute une performance de Sunshine, Tyler Courtney, parti premier, là, il y avait beaucoup de poussière. C'est très difficile d'aller chercher de l'attraction, mais Courtney a remporté la victoire devant Robert Ballou. Ça a été toute une course, mais vraiment la meilleure course des deux, c'est la deuxième dans la soirée. Alors que Robert Ballou là, a mené là, plusieurs tours et dans les derniers tours, on a vraiment vu un échange incroyable de slide job entre lui et Courtney. Les deux pilotes là, vraiment se sont détachés là, de la compétition. On a terminé un et deux là, respectivement dans les deux finales, mais vraiment, là, à mon avis, c'est mon avis bien personnel, moi j'ai beaucoup mieux apprécié le spectacle des USAC que des Sprint Car, parce que justement, ça permet de glisser dans les coins, là, c'est vraiment moins touché, c'est plutôt toujours en contre-braquage, mais vraiment, j'adore voir des courses de USAC. Oui, puis pas loin de la clôture à Eldora, c'est haut, pas à peu près. Vous voyez bien là, les slide jobs, slide job city du côté de Eldora, donc très beau spectacle, Tyler Courtney et Robert Ballou qui remportent les deux victoires du côté de la sanction USAC en sprint car dans la fin de semaine à Eldora. Ça complète pour notre survol en sprint. Allons voir maintenant du côté des late models. Ça a été quand même, Tommy, un week-end assez tranquille en late model. Oui, on avait deux courses du côté du Mississippi pour la série World of Outlaw. Et lors de la première soirée, un peu une soirée de préparation là, pour la grosse course du samedi, mais c'était la première victoire de la saison en World of Outlaw pour Brandon Shepherd. Vraiment, là, évidemment, on doit être très heureux là, du côté de l'équipe, le Oscar Rocket, là, on veut le savoir. Là, lui, il conduit la voiture là, du fabricant Rocket. Donc, on veut avoir des résultats. On l'appelle justement le Rocket Shep. Rocket Ship pour Brandon Shepherd cherchait cette victoire-là, s'est battu avec Brent Larson durant de nombreux tours. On croyait bien que Larson était pour l'emporter, mais Brandon Shepherd en a profité et est revenu vraiment là, à l'avant du peloton. Shepherd qui a été remporté cette victoire-là devant Larson justement et Jimmy Morris qui a terminé troisième. Kate Dillard a pris le quatrième rang et Chris Madden a terminé cinquième.
Et dans la deuxième épreuve le lendemain, ben, c'est le pilote de la voiture 44, Chris Madden, qui est justement venu remporter la victoire. Oui, Brandon Shepard qui était devant Chris Madden, justement. On s'attendait peut-être, la glace est brisée maintenant pour Shepard. On va le voir remporter plusieurs courses. Finalement, ben, c'est Chris Madden qui a remporté la course. Madden, une autre victoire, en a accumulé quelques-unes depuis le début de la saison dans la voiture 44. Donc, elle a été remportée, là, c'était 22 600, je crois, la bourse pour ce 60 tours. A remporté là, devant un pilote que je ne connaissais pas, Ryan Gustin, qui a terminé deuxième. Shepard a pris le troisième rang. La recrue Kyle Strickler a terminé quatrième. Et finalement, ben, Tim McReady a pris le cinquième rang. La deuxième soirée nous a donné des meilleures courses, un peu plus de slide job, mais vraiment, c'était un peu moins bon que la semaine passée là, du côté des lettres modernes. Cette semaine, Tommy, on va surveiller, en fait, demain soir, du côté de Hackard Speedway dans l'État de New York, le début de la série Short Track Super Series Région Nord du promoteur Brett Dio. Le programme de demain, là, ce qui sera présenté sur Flow Racing. Donc, on peut s'attendre à tout un spectacle parce que c'est une toute petite piste qu'on appelle un bull ring, très incliné. D'habitude, là, à Hackard, on a de très, très bons spectacles. Oui, puis c'est un programme qu'on présente un peu à l'honneur du père d'Anthony Perrigo, là, qui est décédé au cours des dernières années. Mais vraiment, ça risque d'être tout un spectacle. Auparavant, on voyait vraiment une différence entre la série Nord et la série Sud, puisque les pilotes ne se déplaçaient pas dans les deux. Mais là, lui, étant donné qu'il y a beaucoup moins de courses cette année, mais on voit de plus en plus de pilotes à faire les deux. Donc, ça va être à surveiller assurément. Anthony Perrigo qui part parmi les favoris, mais... ça va être très difficile de battre le 44, Anthony. Oui, absolument. Stuart Friesen qui sera assurément sur place demain du côté de Hackard. Ça va compléter pour cette semaine aux courses aujourd'hui. Encore une fois, un menu très chargé. Une émission qui a duré tout juste 2 heures. Merci à tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, Toby, à toi l'honneur, mon cher, parce que moi, malheureusement, je ne serai pas disponible pour animer l'émission. Mais vous serez en très, très bonne compagnie avec l'ami Toby qui... va certainement tenir ça à bout de bras, il n'y a aucun doute là-dessus. Des gros, gros, gros souliers à chaussée, Anthony. Calmons-nous. Je serai de retour pour la semaine suivante, mais tu peux être certain que j'aurai un œil très averti sur ce qui se passe. Mais je vous avertis, il n'y aura pas d'entrevue en anglais. Ça, c'est réglé. Non. Tu serais capable, il n'y a pas de problème là. Bon, c'est le stress. Ça. OK, c'est ça. salutations à tout le monde qui ont participé à l'émission. Alex Labbé, Brett Hearn et également... Steve Salva, merci à tous nos chroniqueurs. Merci aux gens en régie qu'on ne remercie pas assez souvent. La famille Savoie qui était là aujourd'hui, Martin, Pierre-Luc, Cédric, vous y étiez, toujours fidèle au poste. Toute l'équipe en arrière de ça, il y a beaucoup de travail, de recherche tout au cours de la semaine. Il faut communiquer avec des invités potentiels, faire des plans pour des entrevues. Et Anthony, travail derrière ça. On n'avait pas assez de Savoie à la régie. On a rajouté Ben en plus qui s'occupe plus, des réseaux sociaux. C'est donc... ça. 4 pour le prix d'un. Ah oh oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Exactement. Bonne semaine tout le monde, on a hâte de vous revoir. On s'approche de plus en plus d'un retour à la vie normale. Mon vaccin s'en vient cette semaine. Alors, je ne sais pas si je vais changer quelque chose, mais selon le gouvernement, ça prend 75%. Donc, je serai une de ces gouttes-là dans l'océan quelque part cette semaine, en espérant vous retrouver quelque part sur les circuits de course le plus rapidement possible. D'ici là, ben, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de cette semaine aux courses. Salut tout le monde. Bye-bye.